1, 2, 1, 2, 1, 2, ça marche. Bonjour à tous, pardon, je pose mon sac. Voilà, donc on est très très heureux de vous accueillir aujourd'hui donc à la deuxième conférence du cycle des cultures sciences. C'est la deuxième conférence cette année au mois d'octobre, donc c'est un mois bien chargé pour les cultures sciences, mais pas que. Donc je suis ravie de pouvoir accueillir sur ce campus Marc-André Solos. Et je dois dire aussi que cette conférence, on l'a organisée, co-organisée avec la chaire partenariale Agrosys. Donc je vais passer la parole à Valentina Alessandria, qui est l'animatrice de cette chaire, qui va vous présenter rapidement cette chaire pour vous dire un petit peu ce qu'elle fait. Et ensuite, donc Elsa Balini présentera notre invitée ce soir. Donc cette conférence va se dérouler en deux temps. Un premier temps, donc présentation, intervention de Monsieur Solos. Ensuite, un temps pour les échanges, pour les débats. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Cette conférence est également diffusée en streaming. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent nous suivre ce soir parce que j'avais environ 257 inscrits hier. Donc ça fait du monde. Et voilà, je passe maintenant la parole à Valentina et je vous souhaite une excellente soirée. Juste aussi un dernier petit point, j'allais oublier, il y a une séance de dédicace qui est prévue à la fin de cette conférence avec la librairie Fière de Lettres. Donc voilà, Monsieur Solos pourra dédicacer son ouvrage L'origine du monde, si vous souhaitez en tout cas poursuivre votre réflexion à travers de la lecture et échanger, continuer à échanger avec lui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci Ghislaine, bonsoir à toutes et tous. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Et merci d'avoir répondu si nombreux à cette conférence donc, qui est organisée, comme disait Ghislaine, en partie par la chaire Agrosys, dont moi-même je suis l'animatrice. Et ici dans la salle, il y a aussi des enseignants-chercheurs donc, qui font partie du comité de direction, dont Elsa Balini et François Collin. Il ne faut pas que je bouge. Donc Agrosys, c'est une structure mécénale qui est portée par la fondation de l'Institut Agro et qui a le rôle principal de porter des projets et de faire de l'animation scientifique autour d'une thématique assez précise mais vaste, qui est l'agroécologie. Donc on coordonne des projets et des actions qui font un peu les liens entre la recherche, la formation et les terrains, en partenariat donc avec les entreprises qui sont mécènes de la chaire, qui s'engagent avec nous dans la transition agroécologique. La thématique donc, de cette conférence, c'est les sols et surtout les sols vivants, c'est un peu une des axes principaux des réflexions et des actions que la chaire porte. On ne peut pas parler d'agroécologie sans parler des sols, des gestions des sols vivants, et de tout ce qui concerne la gestion des sols, et notamment notre prochain événement, ça portera sur les sols couverts, et donc surtout ce qui est couvert végétaux dans la région méditerranéenne. On est beaucoup investi dans la formation de nos étudiants, et cette conférence, c'est un peu la preuve aussi de ça, parce que c'est la réponse à la sollicitation d'une étudiante de l'Institut Agro, et de son collectif. Donc, je laisse la parole à Cléa pour nous présenter l'association. Du coup, nous représentons les étudiants du groupe naturaliste de l'Université de Montpellier. C'est une association qui a pour but de sensibiliser à la biodiversité qui nous entoure. Concrètement, elle met en place des inventaires de la biodiversité qui nous entoure, des actions de sensibilisation, comme des conférences ce soir. Elle s'organise sur des pôles taxonomiques et nous, on fait partie du pôle agrobiodiversité. Donc on a à cœur de partager sur la biodiversité en agriculture et son importance. Et un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'était la biodiversité du sol, qui peut être souvent négligée. Et du coup, on a contacté en avril la chaire Agrosys, et on les remercie vraiment d'avoir soutenu notre projet, porté le projet et organisé. Et on remercie aussi particulièrement M. Solos de s'être déplacé ce soir pour nous partager sur un élément qui est indispensable à notre vie sur Terre, le sol. Du coup, je remercie Marc-André d'être là, donc professeur du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, mais qui a aussi enseigné justement à Montpellier dans un temps lointain et qui a même fait partie, qui a participé aussi à l'association des gnomes à une époque passée, mais encore proche. Et du coup, et on n'a pas parlé, je ne sais plus si on a parlé du bouquin, mais ouais, si tu l'as dit, on est.
Donc l'idée, c'était justement de plutôt centrer sur les éléments qu'on retrouve dans le livre, justement, L'origine du monde. Et je te laisse la parole. Merci de cette introduction. Je vais donc vous parler, effectivement, on peut peut-être lancer le diaporama. Je vais vous parler du sol. Je voudrais dire que ce n'est pas la première fois que je viens à Montpellier pour le GNOME, parce que, pour le coup, en fait, ça faisait partie de la fiche de poste que j'avais lorsque j'ai été nommé professeur à Montpellier en 2004. L'une des actions de la fiche de poste et du profil, c'était de développer le GNOME. Ce que je fis jusqu'en 2013, donc une époque où vous n'étiez pas né. Vous y peut-être, mais enfin... Une époque ancienne, dont on a perdu jusqu'à la mémoire, puisque Elsa ne retrouvait même pas le moment où on faisait le TP ensemble. C'est ancien, c'est vrai. Mais ce sont autant de bons souvenirs. Alors, donc, ce soir, je voudrais vous montrer à propos de... Alors, je ne sais pas si je peux voir ma première image. C'est peut-être moi qui la déclenche. Non, ce n'est pas moi qui la déclenche. C'était ici que ça se faisait. Oui, donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous pensez que ça, c'est un écosystème terrestre, et vous pourriez en avoir l'impression à première vue, vous êtes un peu dans la situation d'un pou qui, en observant le cuir chevelu de son hôte, se dit, oh, en regardant cette surface rose et craquelée, là, oh, c'est beau un homme. En fait, ça, c'est pas les écosystèmes terrestres. C'en est le pelage, c'en est la superficie. Les écosystèmes terrestres, ils sont là. Ils sont enfouis. Et le problème que nous avons, c'est que d'une part, ce n'est pas translucide. D'autre part, vous allez voir que les constituants sont trop petits pour être vus à l'œil nu. Et en plus, culturellement, un cutéreux ou le fait de s'enterrer quelque part, vous sentez bien que ce qu'il y a sous nos pieds n'est pas forcément ce vers quoi nous portent nos souhaits, nos envies et nos séductions ou nos étonnements. Et pourtant, vous allez voir, c'est énorme le sol. C'est énorme d'abord parce que c'est énormément vivant. Alors, pas en quantité, hein, la biomasse vivante du sol, c'est peut-être 0,5% grand maximum du volume du sol. Mais quand même, il y a du monde. Alors, la première chose qu'il y a, c'est des champignons. Ça peut vous étonner de commencer par ça, mais c'est ce que moi j'étudie. Et puis, je voudrais surtout commencer par parler de microbes. C'est encore quelque chose qui peut vous étonner un petit peu que de parler de microbes à propos de champignons, mais je suis désolé, certains films ne marchent pas. Vous ne verrez pas cette spore germer. Ce que nous appelons champignons vulgairement, vous le savez pour la plupart d'entre vous, ce n'est que l'organe reproducteur, l'organe producteur de spores, comme vous avez à l'écran, des spores qui germent en filaments microscopiques, de l'ordre du centième de millimètre, et qui grandissent, qui se développent, qui se ramifient, une ramification qui met en place un véritable réseau, parce que non seulement ça se ramifie, mais en plus les ramifications se recollent entre elles. C'est encore quelque chose que malheureusement vous ne voyez pas à l'écran là, mais... En réalité, il y a bel et bien un réseau qui se forme qu'on appelle le mycélium. Et ce réseau est microscopique dans toutes ses parties, même si au total, il est très grand. D'ailleurs, là, on voit légèrement le mycélium dans les aiguilles. Il y en a tellement qu'on finit par voir un cotonnage blanc. Mais essentiellement, au jour le jour, le champignon est un microbe, un organisme non visible à l'œil nu. Et de ce point de vue-là, c'est notre entrée dans le monde microbien à partir de choses qu'on voit des fois à l'œil nu. Mais pas toujours. D'ailleurs, les sols témoignent souvent de la présence de champignons, car quand on les sent, il arrive qu'ils sentent le champignon. C'est une molécule, l'octénol, qui est produite à partir de l'acide linoléique des cellules quand on les casse. Ce qui fait que les champignons ne sentent pas tellement le champignon, mais quand vous commencez à éplucher vos girolles ou vos champignons de Paris, voilà, il y a une odeur de champignon qui sort. Et des fois, quand on froisse du sol, surtout les sols forestiers, cela atteste la présence de champignons par l'odeur. Champignons qu'on ne voit pas, mais des fois, le nez voit plus loin que les yeux. Alors, il y a aussi des bactéries dans le sol. Là, en parlant de bactéries, on perd encore un ordre de grandeur. On est plutôt sur le millième de millimètre. C'est encore moins visible, si tant est que ce qui précédait l'était. Les bactéries sont unicellulaires, mais aussi souvent faites d'amas de cellules ou encore même de cellules en courte chaînette, comme dans le groupe des actinobactéries. Alors, pourquoi je choisis de vous parler d'actinobactéries? D'abord, c'est parce que vous les connaissez bien. Vous les connaissez bien parce que les streptomycètes ou les actinomycètes nous ont donné de la streptomycine ou de l'actinomycine. Et si vous avez eu la chance d'avoir de l'acné, et vous avez peut-être utilisé de l'actinomycine pour soigner votre acné. Et si vous n'avez pas eu cette chance, vous avez peut-être croisé déjà dans l'armoire à pharmacie la streptomycine et l'actinomycine. En fait, les actinobactéries font partie des microbes qui nous ont donné des médicaments.
Et au passage, ça montre que la biodiversité du sol, ça touche à bien d'autres choses que le sol, puisque vous voyez, ça peut toucher à la santé. Mais la deuxième raison pour laquelle, assurément, vous connaissez les actinobactéries, c'est que vous connaissez leur odeur. Elles sont productrices d'une molécule, la géosmine, dont on ignore tout des fonctions, dommage, parce qu'on connaît très bien la voie de biosynthèse, mais enfin c'est une autre histoire. Une molécule qui, comme son nom l'indique en grec, donne l'odeur du sol. Quand ça sent la terre, eh bien c'est qu'il y a des actinobactéries. Et un bon pédologue peut, à l'odeur, vous dire si la communauté microbienne est dominée par des champignons ou des bactéries. Et ça marche plus ou moins bien quand on vérifie ensuite. En tout cas, cette géosmine, vous la connaissez aussi parce que c'est elle qui, après que la pluie ait chassé des pores du sol l'air qui était contenu, c'est elle qui, disais-je, donne l'odeur d'après la pluie, diluée dans l'air. C'est elle qui fait ce qu'on appelle le pétrichor, l'odeur d'après la pluie. Donc vous voyez que c'est un groupe d'organismes dont vous ne connaissez pas le nom, mais vous connaissez l'odeur. Connaître quelqu'un par l'odeur et pas par le nom, c'est une situation qui est rare, mais qui est très souvent une situation, la situation où nous sommes face au monde bactérien. Ah, dans les microbes, il y a aussi autre chose, dont la taille est variable, mais en général plutôt un tout petit peu plus grosse que les filaments de champignons. Ce sont les amibes. Il y a d'ailleurs une bactérie ici, une petite actinobactérie qui est attirée par le flux et qui donne l'échelle. Ces organismes-là appartiennent à des groupes extrêmement variés, mais ils ont la caractéristique de se déformer, de déformations qui leur permettent de bouger, mais aussi éventuellement d'englober dans leurs tentacules, d'englober dans leurs expansions des bactéries ou des morceaux de matière organique et de les digérer. Et vous les connaissez peut-être parce que leur taille est extrêmement variable et certains sont visibles à l'œil nu. Le blob, que vous connaissez peut-être, est une amibe géante. Mais la plupart ne sont pas visibles à l'œil nu, la plupart ne sont pas géantes et elles sont très actives dans les sols. Donc, j'ai fait le tour des principaux microbes. Je ne vais pas parler des virus, qui seraient encore plus petits, mais dont on sait si peu de choses que je n'ai rien à vous en dire quant aux virus des sols. Par contre, qu'est-ce que j'ai oublié? Ben, les autres constituants vivants du sol, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de vivant encore dans le sol? Alors, j'entends des noms d'animaux, des insectes, des arthropodes. Oui, mais il y a quoi aussi de vivant dans le sol? Et avant tout, d'ailleurs. On verra les chiffres tout à l'heure. Les vers, c'est des animaux. Mais les racines. On oublie tout le temps les plantes. Elles sont tellement dans le décor qu'on finit par les oublier. Oui, il y a des racines de plantes. Et puis, vous avez raison, il y a des animaux. Des animaux comme ce petit acarien, là, ce colambole, qui n'a pas d'ailes, ce pseudoscorpion avec ses pinces. Alors, on n'est pas très loin évolutivement des araignées. On est dans les calicérates. Encore un colambole, des nématodes qui sont des vers tout petits de la taille de filaments de champignons, tant ils sont petits. Un acarien sur du mycélium, un mille-pattes, on ne retourne pas très loin des araignées, un ver de terre, un vrai ver de terre, cette fois-ci beaucoup plus gros que les nématodes, et puis un coléoptère. Bon, il y a énormément de groupes d'animaux dans le sol. Effectivement, on pense d'emblée à la vie animale parce que souvent elle est assez grosse pour être vue et en plus elle bouge, mais vous allez voir, c'est un détail. Un détail ornemental et qui a au moins une fonction dans le sol, mais pas beaucoup plus. Alors, au total, il y a quand même beaucoup de groupes d'animaux dans le sol. Il y a d'ailleurs pas mal d'animaux qui sont dans le sol qui n'ont jamais vraiment vécu sur Terre. Il y en a qui sont passés directement de l'eau à une vie souterraine. Il y a des groupes entiers que vous ne voyez pratiquement jamais hors du sol et dont les proches parents, sinon d'autres représentants du même groupe, sont dans l'eau. Dans un gramme de sol, il y a un bon million de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces. Il y a un bon millier d'espèces de champignons, une bonne centaine d'espèces d'amibes. Ça fait du monde, car si vous y réfléchissez, je ne connais pas de zoo qui soit aussi bien pourvu que mon gramme de sol pris au hasard dans la nature. Hein. Et maintenant, en biomasse, et c'est là que vous allez voir ce que deviennent vos animaux, il y a 5 bonnes tonnes, dont 3 tonnes et demie de bactéries. Il y a 5 bonnes tonnes de microbes, 5 bonnes tonnes de racines à l'hectare, et puis une tonne et demie d'animaux. Mais ce n'est pas étonnant parce qu'ils mangent des microbes et des racines. Et donc, on voit mal comment ils pourraient être plus abondants que ce qu'il y a à manger. Sauf si on croit à la croissance, ce qui arrive. Mais il y a des limites à tout, notamment à ce qu'on peut faire en mangeant des microbes et des racines dans un sol. 25% des espèces connues, c'est-à-dire décrites, vivent dans le sol, alors même que l'on sait, maintenant qu'on les détecte avec leur ADN, qu'on connaît moins de 1% des espèces de microbes du sol. En France, une étude de l'INRA de Dijon révèle, sur les sols de France, avec une profondeur d'analyse qui est sans doute 10 fois moins pertinente que ce qu'on pourrait faire maintenant, mais qui a le mérite de couvrir tous les sols de France dans un superbe atlas des bactéries
du sol de France, l'INRA Dijon nous dit au moins 115 000 espèces de bactéries dans la France, pays de 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, et je ne compte pas la Corse, puisque ce n'est pas la France, 6 000 espèces de plantes. Vous sentez que la France est un pays de bactéries avant que d'être un pays d'animaux. On retrouve cette idée-là. Et au total, entre la moitié et les trois quarts de la biomasse vivante des écosystèmes se cache sous terre. Et si j'ajoute la matière morte, qui évidemment est intégralement sur ou sous terre, c'est 60 à 80% de la biomasse, enfin de la biomasse morte ou vive, de la matière organique qui se trouve dans les sols. Vous sentez ici qu'en nombre d'espèces et qu'en masse, le barycentre des écosystèmes terrestres est plutôt sous le sol que dessus. Mais vous pouvez être énervé de cette liste à la Prévert d'organismes bizarres et de tonnes et de kilos, et me dire, oui, bah, ça c'est du kilo, c'est du nombre d'espèces, mais et alors ? Eh bien en fait, comme toujours, la biodiversité des espèces cache une biodiversité de fonctionnement. Et en réalité, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a une grande diversité de fonctions dans les sols qui sont remplies par cette diversité biologique, et que notamment cette diversité fait le sol. La vie du sol fait le sol. Vous avez remarqué que dans les villes ou dans les allées gravillonnées des parcs, on est obligé de ratisser les feuilles. Et vous observerez, heureusement pour vos impôts, qu'on n'est pas obligé de ratisser les forêts et qu'on n'est pas non plus obligé de ratisser les champs quand arrive l'automne. Pourtant, il tombe de la matière organique par terre. Il en tombe entre 2 et 5 tonnes par an. Hein, et elle ne s'accumule pas. Même dans une forêt, vous voyez, comme cette hêtraie qui a à peu près 100 ans. Cette hêtraie de 100 ans, en Auvergne, il y a beaucoup de feuilles, mais il y a les feuilles des 5 dernières années. La matière organique, quand elle arrive au sol, elle disparaît. Et on a tendance à oublier que le sol a cette fonction que nous révèlent les zones gravillonnées ou bétonnées ou bituminées. Le sol, il va décomposer la matière organique qui arrive, il la fait disparaître, il la digère, et c'est une de ses fonctions. Alors examinons un tout petit peu ce qui arrive à de la matière organique qui est laissée sur le sol. On ne va pas faire ça sur le sol, on va laisser une pomme à l'air libre pourrir et regarder ce qui se passe. Sur ce film accéléré, vous voyez le début de l'action de ce qui doit être des bactéries. Il n'y a pas de filaments ni de cotonnage visible. Et vous sentez que votre pomme est en train de disparaître. N'imaginez pas que c'est seulement l'effet de l'évaporation là où la pomme est abîmée. C'est plus compliqué. Les bactéries et les micro-organismes qui se développent là, ils sont comme vous et moi. Ils sont en train de manger cette pomme. Ça leur sert à faire un peu de chair de micro-organismes. Ça leur sert à grandir et à se multiplier. Mais ce n'est pas tout. Nous-mêmes, d'ailleurs, ne grandissons pas fort heureusement de tout ce que nous mangeons chaque jour. Que devient l'essentiel de ce que nous mangeons ? C'est respirer avec de l'oxygène. Et c'est ce que font ces organismes aussi. Ils respirent parce qu'ils vont récupérer l'énergie de quelque chose qui est un grand feu cellulaire qu'on appelle la respiration. Sauf que dans ce feu cellulaire, petit 1, l'énergie est récupérée. Elle ne part pas sous forme de lumière et de chaleur. Petit 2, on retrouve les mêmes déchets, c'est-à-dire le CO2 et de l'eau qui s'en vont, et on retrouve la même disparition de biomasse. C'est pour ça qu'on ne grandit pas de tout ce qu'on mange, ça disparaît sous forme de CO2. De CO2 et de quoi ? Qu'est-ce qui reste après un feu ? Que du gaz carbonique et de l'eau ? Pour ceux qui ont un âtre, ils savent qu'il faut de temps à autre vider les cendres. C'est-à-dire que des fois, sur cette matière organique, il y a de l'azote, du phosphate, du soufre. Et il y a tout un tas d'éléments qui vont se retrouver dans les cendres. Et nous-mêmes, nous vidons les cendres de nos cellules, les cendres de la respiration, nous les expulsons dans le sang, et le sang est purifié au niveau des reins, c'est l'urine. L'urine dans laquelle, par exemple, il y a 6 grammes par litre d'azote. Et ça veut dire que cette décomposition, non seulement elle fait disparaître la matière organique en faisant du CO2, mais en plus, elle libère des cendres. Alors, je vais vous l'illustrer, parce que c'est vraiment un processus important qui, outre la disparition de la matière organique, va construire les sols et leur fertilité. Je vais vous l'illustrer avec un rond de sorcière. Un rond de sorcière, c'est ces organes reproducteurs de champignons qui poussent en cercle, et vous et moi savons maintenant que ce qui se cache dessous, c'est un réseau microscopique, le mycélium. Mais pourquoi est-il en couronne ? Voilà typiquement un champignon qui mange de la matière organique du sol. À partir de l'endroit où est arrivée une spore, le mycélium s'est développé de façon isotrope dans toutes les directions, mais finalement, là où le mycélium est depuis longtemps, il n'y a plus rien à manger. La fraction de la matière organique que mange le champignon a disparu et il meurt d'inanition. Ainsi, le champignon est coincé entre un front de croissance et un front de mort par inanition dans les zones qu'il occupe depuis longtemps. Il a donc une forme de couronne.
Mais là où il est actif, il se nourrit et il se réalise ce que je vous disais. Il prélève une partie de la matière organique du sol qu'il est capable de mobiliser. Et il en fait sa croissance, plus de l'énergie, ce qui veut dire des déchets comme du CO2, de l'azote et du phosphate. Et tout est là. Regardez mieux ce rond de sorcière et examinez la couleur de l'herbe en dessous. Vous ne voyez pas que c'est un tout petit peu plus vert? Ben oui, parce que les déchets, justement, de la décomposition, ce sont les substrats dont se nourrissent les plantes. Alors, ce rond de sorcière n'a pas fière allure, mais celui-là, par contre, vous montre ce qui se passe au printemps, là où le mycélium est extrêmement actif avec l'humidité printanière. J'ai bien peur que, d'ailleurs, par chez vous, ce soit plutôt en ce moment que ça se passe, ce genre de choses. Mais bon, quand il y a de l'eau, on voit très bien la présence du mycélium comme un rond d'herbe grasse. Je vous emmène dans les Pouilles, où là, d'énormes ronds de sorcière, sans doute multiséculaires, de 30 à 50 mètres de diamètre, sont marqués dans le paysage, à grande distance, par une zone où l'herbe croît mieux. Voilà, l'histoire, c'est que la décomposition, c'est quelque chose qui fait de la fertilité. Et Pasteur avait remarqué ça, qui disait à propos des microbes que s'ils devaient disparaître de la surface du globe, alors la surface de la Terre serait encombrée de matières mortes et de cadavres en tout genre, animaux ou végétaux. Sans microbes, la vie deviendrait impossible, parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Ce qui la complète, c'est la décomposition qui libère ce qui, le lendemain, permettra le regain de la végétation. Alors, au-delà de ça, on sent que le sol est donc fait d'une matière organique qui est en devenir et qu'une partie de ce devenir, c'est d'alimenter la fertilité du sol. Mais il y a également, vous le voyez, de la matière minérale dans le sol. Et figurez-vous que cette matière minérale aussi contribue à la fertilité car ces éléments issus de la roche sous-jacente vont petit à petit se dissoudre. Alors bien sûr, pas à la vitesse d'un morceau de sucre ou pas à la vitesse d'un cristal de sel, c'est beaucoup plus lent. Mais cette dissolution libère aussi des substances intéressantes. Examinons le devenir d'un cristal d'apatite. C'est un minéral qu'on peut trouver, qu'on trouve dans des granites surtout, mais qu'on peut aussi trouver dans du calcaire ou dans d'autres roches. Cristal d'apatite qu'on a mis 6 mois dans de l'eau. Pas bout de 6 mois, quand on l'examine, la surface a l'air non altérée. Cette conclusion est un peu abusive. Ça s'est dissous, mais extrêmement peu, parce que la dissolution est extrêmement lente. Cette apatite contient du phosphore et ça peut la rendre intéressante pour un certain nombre de micro-organismes. Ajoutons maintenant, avant que s'écoulent les 6 mois, quelques gouttes de jus de sol gorgé de microbes. Et bien là, votre cristal d'apatite n'a pas du tout la même tête. Il est complètement grêlé quant à sa surface et au fond des trous, il y a des microbes. En fait, les microbes accélèrent d'un facteur 10 au moins la déstabilisation des composés minéraux dans les sols. Et ils le font pour une bonne raison, c'est qu'ils mangent de cette façon. Alors, la dissolution est inévitable et elle libère tout un tas de substances très utiles à la vie. Les microbes se plaquent à la surface des minéraux et les déstabilisent en retenant l'eau, ce qui augmente le temps de dissolution, et en émettant aussi de l'acidité, ce qui va déstabiliser la roche. Et au total, ils augmentent la dissolution et se servent au passage en phosphore, en potassium, en calcium, en fer. Mais comme ils travaillent comme des cochons, eh ben, y a des fuites. Et ces fuites sont supérieures à ce qui se produirait s'il n'y avait pas de vie dans le sol. La vie du sol, elle augmente la dissolution des roches et ce faisant, elle contribue par là aussi à augmenter la fertilité car elle libère des choses que les racines pourront récupérer. Donc, matière minérale comme matière organique sont respectivement sous l'effet de l'altération et de la décomposition en devenir et une des conséquences de ce devenir, c'est la fertilité des sols. Mais c'est toujours pas fini. Il y a des trous dans le sol où se trouve de l'air. Et figurez-vous, et puis aussi l'eau quand il en circule, et figurez-vous que ces gaz aussi sont en devenir aux mains du vivant. La première chose, eh bien, quant à ces gaz, c'est le fait que plus on s'enfonce, plus l'air qui rentre dans le sol est pauvre en oxygène. Pourquoi ? Je n'entends que des bruissements. Mais oui, c'est la respiration. Et alors c'est un petit peu comme quand on met plein d'agriculteurs le long d'un cours d'eau et qui font de l'irrigation, bah ceux qui sont en aval, ils n'ont plus rien. L'idée c'est que plus vous êtes bas, plus vous avez de chance que l'oxygène ait été prélevé par quelqu'un qui respire au-dessus. Et l'oxygène a beau diffuser à partir de la surface, plus on est profond, moins il y en a. C'est la respiration. Et donc d'ailleurs, c'est pas étonnant de se rendre compte que plus on est profond, plus il y a de CO2. Le CO2 s'échappe par la surface, mais il y a des embouteillages et il y a des choses qui peinent à sortir quand elles ont été produites en profondeur. Vous voyez que l'air aussi est modifié par la vie du sol. Alors ça va vous paraître un truisme, mais il n'est pas quand même aberrant de rappeler que les sols respirent, comme la somme des respirations de ce qu'ils contiennent.
Mais il y a mieux. En matière de gaz, il est un gaz de notre atmosphère qui amène au sol un élément qu'il ne contiendrait pas sinon. Et c'est l'azote. Alors, certains de mes collègues me disent, Marc-André, quand tu dis ça, t'exagères, l'azote, il peut venir sous forme de débris avec le vent. Bon, oui, d'accord, ça veut dire qu'il y a un écosystème. Et dans cet écosystème, il est rentré comment? Alors, bon, d'accord, il est peut-être venu avec le vent d'un autre écosystème, mais à un moment, il va falloir torcher cette question obstinée. Il n'y a pas d'azote dans les roches. Donc, d'où vient l'azote qui, ensuite, quand les sols sont établis, tourne entre des formes d'ammonium ou de nitrate dans le sol et des formes organiques dans les plantes et les animaux qu'il y a au-dessus. D'où vient-il? Alors, ça nous renvoie à ces plantes qu'on appelle botaniquement les légumineuses, qu'on appelle protéagineux quand on mange leurs graines parce qu'elles sont riches en protéines et qu'on appelle fixatrices d'azote quand on fait référence à leurs propriétés agronomiques. Ces plantes-là sont très riches en azote, ce sont nos lentilles, ce sont nos pois, ce sont nos pois chiches, ce sont nos haricots. Et ces plantes sont très riches en protéines parce qu'elles sont globalement très riches en azote et on peut se demander d'où ça vient, surtout que quand on les cultive sur un pot qui contient une certaine quantité d'azote, on s'aperçoit qu'on peut récolter plus d'azote dans la plante qu'il y en avait dans le pot. Alors comment font-elles? C'est très simple. Oubliez la plante, pensez aux microbes. Parce qu'une fois de plus, on dit que la plante fait, mais ce sont ses employés et pour le coup, ce sont des microbes qui font le travail. Il y a sur les racines des protubérances, roses d'ailleurs, assez jolies, qui contiennent des bactéries qu'on appelle des rhizobiums. Et ces bactéries, qui sont nourries en sucre par la plante, donc qui ont gîte et couvert dans ces renflements roses, elles sont capables d'exploiter l'azote gazeux de l'atmosphère qui rentre dans le sol et de fabriquer, alors désolé pour les spécialistes de la symbiose en question qui sont dans la salle, ils vont m'arracher les cheveux, des acides aminés et de les partager avec la plante. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, cette plante aura beaucoup d'acides aminés, elle pourra faire beaucoup de protéines, et nous, en la boulotant, ça nous fera un équivalent de beefsteak. Cette situation où une bactérie est capable de transformer l'azote atmosphérique en azote organique, composant du vivant, existe aussi avec des bactéries libres qui vivent dans le sol, comme les azospirillums ou les azotobactères. Mais ces bactéries-là sont obligées de se nourrir elles-mêmes par ailleurs. Elles ne sont pas branchées sur la photosynthèse de la plante, et donc, eh bien, elles sont moins efficaces quant à la fixation de l'azote. Mais il y a aussi des bactéries libres qui sont capables de faire ça. Et le résultat, c'est que quand tout ça finit par mourir, parce que bactéries, plantes et tout le reste, la grande loi de la vie, c'est que ça meurt à la fin, quand ça meurt, disais-je, eh bien, ça subit une minéralisation qui, cette fois-ci, une décomposition, pardon, qui, cette fois-ci, va donner nitrate et ammonium et pas redonner du N2. Ça y est, de nouveau, le devenir d'un gaz de l'atmosphère ultimement devient de la fertilité. On peut donc dire que le sol était vraiment un mariage de sous-sol, de roches, de matière organique et de gaz venus de l'atmosphère, un mariage sous l'effet de la vie. Mais ce n'est pas tout. La vie anime ce sol. Alors, vous allez être content parce que là, on va retrouver quelques animaux, parce qu'en général, les gens, à ce stade, finissent par en avoir un peu marre d'entendre des histoires de microbes et ils veulent que ça bouge. Vous allez retrouver les animaux, effectivement, parce qu'ils sont au premier chef ceux qui animent les sols. Cette animation des sols se voit sur cette image qu'on voit depuis le départ, parce que vous voyez bien que s'il n'y avait que de la matière organique qui tombait sur de la roche qui s'altérait, ben on aurait une zone noire et puis une zone avec des composants minéraux. Or, il y a des composants minéraux jusqu'en surface, et on devine un petit peu de noirâtre ici et là qu'il y a de la matière organique en profondeur. Il y a un mélange, ce n'est pas touillé violemment, bien sûr, mais il y a une sorte de mélange de proche en proche qui fait qu'on a un gradient continu. Alors, ce gradient continu, qui le fait? Les animaux et les vers de terre. Alors, voilà un peu de vers de terre, pour le coup. On leur a fait un joli terrarium avec des couches claires et des couches foncées, et ils sont en train de tout cochonner en circulant. La première façon dont les animaux et les vers de terre sont capables de mélanger, de faire bouger le sol, c'est par leur mouvement qui bouscule les composants. Et ça, tous les animaux, les fourmis ou les taupes qui font des trous, le font. C'est une perturbation par déplacement. Et ça, tous les animaux le font, mais les vers de terre, eux, il y a un plus. Non seulement ils bousculent en se déplaçant, mais en plus, ils mangent. Et vous allez voir qu'en mangeant, ils mélangent de deux autres façons. Oui, les vers de terre mélangent de trois façons. En se déplaçant, comme tous les autres animaux, et en mangeant de deux autres façons. Suivez-moi. Ça mange quoi, les vers de terre? Alors, en jetant la matière organique morte, je vais prendre cette réponse, qui est techniquement vraie, et comestiblement fausse. Parce qu'en fait,
ils ne savent pas trop digérer les polymères végétaux. Alors, la matière morte dans le sol, c'est un bout de feuille, un petit bout de bois. Mais il y a plein de bactéries dessus. Et en fait, c'est surtout les bactéries qui digèrent. Ils vont peut-être aussi digérer quelques composants des restes en décomposition, mais c'est surtout les microbes, et en particulier les bactéries, qui sont capables de digérer. Sauf que comme ça, c'est dans des morceaux de feuilles, il va bien falloir broyer la feuille pour libérer le jus de bactéries. Et pour ça, ben, ils n'ont pas de dents, les vers. Ils font comme les poules, qui n'ont pas de dents non plus. Ils avalent des petits cailloux qui, dans leur gésier, font effet de meule. Donc, ils mangent des grains de sable qui vont les aider à bien broyer dans leur gésier, qu'ils ont fort musclé, qui vont les aider à broyer dans leur gésier ces petits morceaux. Le drame, c'est que ces morceaux sont souvent des morceaux de plantes. Et la plupart des plantes contiennent des toxines, plus ou moins toxiques, en plus ou moins grande quantité. Des tanins, des terpènes, des alcaloïdes, tout un tas de saletés qui leur évitent d'être mangés par le premier venu ou d'être livrés au premier champignon parasite venu. Et quand vous les broyez, les plantes, et ben vous libérez ces bombes chimiques, explosent dans le tube digestif de l'animal. Pas drôle, ça. Alors, les vers, en fait, ils font comme vous quand vous avez des problèmes dans le tube digestif avec des choses qui vous... Ben, avec une diarrhée, vous mangez du... Vous prenez du... Alors, du charbon, oui, c'est une bonne idée, mais... Du riz, ouais, c'est une bonne idée aussi, mais... Non, mais dans les médicaments que l'on prend. L'argile, le smecta, qui est de la smectite. Donc, il se gave d'argile. L'argile, effectivement, lie les toxines, et aussi d'ailleurs les virus, et les empêche de circuler. Notamment, ça empêche les toxines de passer dans le sang de l'animal, et donc, en fait, ça les immobilise, ça les détoxifie. Mais il faut en mettre beaucoup, et le ver, il va surtout manger beaucoup d'argile en quantité. Ça vous explique que les vers de terre mangent, en gros, 20 fois leur volume par jour, le volume du ver, hein, pas du ver plein, enfin, ça ne changerait pas grand-chose même comme ça, ils mangent 20 fois leur volume par jour, hein, parce qu'ils mangent tout un tas d'additifs, et celui-là, il faut qu'il y en ait en grande quantité. Le bilan, c'est que tout ça se termine à la selle, qui, pour le ver de terre qui vit dans un trou, je vous le rappelle, ben, ce n'est pas dans le trou, hein, parce que sinon ça bouche le trou. Enfin, si vous chiez 20 fois votre volume par jour et que vous vivez dans un trou qui a votre taille, je ne vous fais pas de dessin. Il y a vite un problème d'espace. Hein. Donc, il remonte en surface. Et là, vous voyez les deux mélanges. La première chose, c'est que ce que faisant, ils enterrent la matière organique qui vient de tomber, ils l'enfoncent. Premier mélange. Deuxième chose, dans les crottes, vous voyez très bien qu'il y a, ben, il y a beaucoup d'argile, il y a aussi un peu de... Quand on les écrase, on sent très bien, il y a un peu des grains de sable, mais elles sont aussi noires. Je vous l'avais dit, il y a des choses, des végétaux qu'ils ne digèrent pas. Oui. Donc, ça se retrouve dans les crottes. Et donc, la crotte est un mélange très fin de matière organique et de matière minérale prélevée à différents endroits. C'est l'autre mélange. Donc, ils bousculent, ils enterrent et ils remettent par-dessus un mélange de matière organique et d'argile et de grains de sable. Alors ça, quelques jours plus tard, cette matière organique broyée va être la proie d'une multiplication bactérienne énorme, évidemment. Et ça va faire de la crotte qui contiendra donc des bactéries, du sable et de l'argile, le meilleur qu'on puisse souhaiter à un ver de manger. Ils mangent leur crotte au bout de quelques jours, parce que les bactéries prolifèrent là-dedans, et en plus, il y a tout ce qu'il faut pour aller digérer ça. C'est déjà prêt. Et en fait, le sol dans les sols à vers de terre, il passe par le tube digestif des vers de terre tous les 3 à 5 ans. L'intégralité du sol passe par le tube digestif des vers de terre qui mangent leur crotte. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, techniquement, en fait, ils mangent de la matière organique qui est reconnaissable ou des crottes la plupart du temps. Alors, on voit très bien sur ce cimetière, avec des parties d'époques différentes, que plus les tombes sont anciennes, moins on les voit, parce que les vers ont prélevé de la matière dessous et fait leur turricule sur les côtés. Petit à petit, ça s'enfonce. Ça s'enfonce, et d'ailleurs, Darwin, qui consacre son dernier ouvrage en 1881 à la terre végétale et à l'action des vers de terre, rapporte cette expérience qu'il faisait dans son jardin. Il avait lancé dans son jardin plusieurs dizaines d'années auparavant, il avait mis de la poudre de craie, et tous les ans, il faisait un petit trou pour voir où arrivait la poudre de craie. Il en avait même d'ailleurs déterminé une vitesse d'enfoncement qui lui avait servi à calculer l'âge de certains gisements archéologiques comme Stone Age. Alors ça ne marche pas du tout, en fait. Ces chiffres étaient largement sous-estimés parce qu'arrivé à une certaine profondeur, il devient peu probable que le ver passe par en dessous pour aller prélever de la matière minérale. Donc, en fait, la vitesse s'annule rapidement.
Mais néanmoins, l'observation était bonne. Les vers de terre sont quand même les rois du mélange. Bon, sauf qu'il y a des endroits où il n'y a pas de vers de terre, comme en Amérique du Nord. Historiquement, il n'y a pas de vers de terre en Amérique du Nord. Bon. Maintenant, il y en a. C'est une catastrophe écologique, d'ailleurs, parce que les organismes des sols d'Amérique du Nord ne sont pas du tout adaptés aux vers de terre. Mais il y en a qui se sont introduits d'Asie et d'Europe. Et puis, d'ailleurs, il y a aussi des sols, comme les sols de Landes ou les sols de grande altitude dans les Gouales, ou les sols de langue bretonne, où il n'y a pas d'animaux, ou extrêmement peu. Alors, dans ces cas-là, qui brasse ? Parce qu'il y a quand même du brassage. Beaucoup moins, bien sûr. Mais il y a quand même du brassage quand il n'y a pas d'animaux. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Il y a des sols où il n'y a pas, pratiquement pas d'animaux. Alors, c'est ce qu'on oublie toujours. C'est les plantes. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier que la plante, elle est un peu souterraine aussi. Le tiers de la biomasse de la plante se trouve sous terre. OK ? Et cette idée que la plante est aussi souterraine, avec un tiers de biomasse, mais c'est quelque chose qui va être à la base de ce mélange. Regardez. La plante, elle a une croissance des racines qui est intrusive. Elles s'introduisent, les racines, dans le sol. Pour s'introduire, il y a des sécrétions de mucilage qui vont lubrifier cette entrée et déplacer les grains de sol pour permettre, aider les grains de sol à se déplacer sans trop abîmer la racine, pour lui permettre de grandir dedans. Le premier acte, cette lubrification, c'est un dépôt de matière organique en profondeur. Le deuxième acte, c'est que de sa vie durant, la racine, elle va déposer de la matière organique. Elle va déposer de la matière organique pour plein de raisons. D'abord, il y a des pets, il y a des cellules qui explosent. Bon, ben ça, c'est un premier type de fuite. Mais il y a aussi des fuites organisées. La racine sécrète des substances qui vont lui permettre d'organiser le sol autour d'elle. En particulier, elle sécrète des antibiotiques qui évitent que le premier pathogène venu s'installe. Ça ne les empêche pas d'être malades. Ça réduit la probabilité de maladie. D'autres sécrètent des molécules qui attirent certains microbes. Comment se fait-il que mes nodosités de légumineuses soient pleines de rhizobium ? Ben, ils sont venus en se déplaçant, en remontant vers la source qui émet des molécules qu'on appelle des flavonoïdes. Il y a un signal qui est émis par les racines des légumineuses qui attire ces bactéries. Donc, vous voyez que ces sécrétions permettent des attractions et des répulsions. Et puis, on l'oublie, et on l'a même oublié dans la domestication des céréales un peu, les plantes désherbent. Il y a de la concurrence entre racines et elles émettent des toxines. La reine des prés, pour ceux qui la connaissent, mérite son nom parce qu'effectivement, quand elle est dans un pré, bah, il n'y a que elle. Elle est la reine du pré parce qu'elle excrète abondamment par ses racines de l'acide salicylique qui atteint des concentrations qui tuent les autres plantes. Et les céréales, pour le coup, ont des composés, alors qui sont des tanins azotés un peu compliqués, les bois et autres dimboas, qui sont également des herbants. Et comme ils sont assez chers à produire, c'est vrai que dans la domestication, on a eu tendance à sélectionner plutôt des variétés qui ne produisent pas ça et qui, du coup, peuvent faire plus de graines. Mais il y a sans doute des choses à retrouver avec des variétés peut-être à moins haut rendement qui peuvent nous aider à limiter le problème du désherbage en agriculture. En tout cas, vous voyez, la racine, activement, sécrète. Elle sécrète, au total de son vivant, entre mucilage et sécrétion ultérieure, entre 10 et 40% du total de la photosynthèse. Mais qu'elle sécrète dans le sol, en profondeur. Matière organique introduite en profondeur. Puis elle meurt. Et là, quand elle meurt, puisque toutes les petites racines ne deviennent pas grosses, elle meurt sur place. Il y a des trucs pas récupérés qui vont rester sur place. La mort des racines, ça amène, selon les espèces, entre 1 et 5 fois plus que la chute des feuilles et des branches. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un recyclage beaucoup plus fin, une dégradation beaucoup plus rapide, une mort plus rapide des parties souterraines. Et ça veut dire que la plante injecte du carbone en profondeur. Cependant, la racine extrait des minéraux un peu partout. Elle les remonte dans les feuilles et il arrive aux feuilles ce qu'il arrive à tout ce qui est vivant, elle meurt. Et quand elle meurt, elle retombe en surface, amenant en surface des éléments minéraux qui ont été prélevés en profondeur. Donc vous sentez que là, il y a un mélange. Il n'est bien sûr pas d'une ampleur égale à celle d'un ver de terre ou même celle d'une fourmi ou d'une taupe, évidemment, mais il y a bel et bien mélange. Et d'ailleurs, il y a encore d'autres choses qui mélangent. C'est là qu'on va regretter de ne pas avoir vu le film, mais il y a autre chose qui mélange. C'est les champignons. Les champignons, ils grandissent, donc il y a un endroit par lequel les filaments font intrusion dans le sol, et puis ils se nourrissent ailleurs, notamment en prenant du potassium, du phosphore, des choses comme ça, et ils le déplacent. Et je vais vous dire, le fait que les champignons soient capables de déplacer des composants dans le sol, évidemment, on est sur des ordres de grandeur bien inférieurs à ce que fait la plante. De nouveau, ça, c'est moins actif. Mais c'est réel parce que les plantes ont embauché les champignons justement pour convoyer des ressources.
Alors, bon, on ne voyait pas sur ce film, mais quand on voit la cytologie, on voit très bien à l'intérieur le flux qui, dans les cellules du champignon, va vers les zones en croissance et déplace vers de nouvelles zones des choses qui ont été prélevées dans d'autres. Alors, souvent, quand vous arrachez une plante, vous avez l'impression de tenir ensuite entre vos mains ses racines. Mais quand on observe au microscope, on s'aperçoit que même les racines saines sont bourrées de champignons. Avec une coloration ad hoc au microscope, on arrive très bien à voir ces champignons. Et donc, en réalité, les racines hébergent du champignon, même quand elles sont saines. Des champignons qui, d'ailleurs, passent dans le sol. Alors, évidemment, quand on a arraché la racine, ça ne se voit pas. Mais des champignons dont le reste du mycélium est dans le sol. En sorte que ce qu'on appelle racine, c'est dans 9 dixièmes des cas une mycorhize. Une mycorhize, c'est-à-dire quelque chose qui est fait myco de champignons et rhiza de racines. Ces mycorhizes connectent la racine à un mycélium qui explore le sol. Elles nourrissent le champignon, un peu comme tout à l'heure, certaines plantes nourrissaient des bactéries fixatrices d'azote. Et en échange, le champignon ramène de l'eau et des sels minéraux, d'abord pour lui et ensuite également pour la plante. Et là, on voit très bien que les plantes payent les champignons à faire les commissions. Elles les payent d'une façon qui rend moins cher l'exploration que si elles faisaient de la racine, parce que c'est plus mince, des filaments de champignons. Vous le voyez très bien, le coût est réduit d'un facteur 100. Cependant que le contact avec le sol est démultiplié d'un facteur 10 000 par rapport au contact sol de la racine et du sol. Les filaments augmentent la surface de contact et c'est très important pour des choses comme le fer ou le phosphore qui ne se déplacent pas dans le sol et qu'il faut aller chercher là où elles sont. Vous voyez qu'on est sur une optimisation d'un facteur 10 puissance 6, 1 million. Alors j'ai des amis qui sont très fiers de faire des placements à 10%. Et je me dis, mais quelle naïveté et aussi, des fois, quelle efficacité on a dans les systèmes biologiques, notamment par association. Donc je médite ça pendant que mes amis font travailler des petits Asiatiques mal payés. D'autre part, pour les champignons, la racine est devenue à la fois le gîte et le garde-manger. Donc, la racine est vitale. Ils ont accumulé au cours de leur évolution tout un tas, là c'est pas du transport, mais c'est quand même un plus, tout un tas de mécanismes par lesquels ils les protègent des pathogènes. Là encore, pas d'une façon qui marche à 100%, mais qui quand même abaisse la capacité des maladies à s'installer sur les plantes qui forment ces mycorhizes. Vous voyez que ce mariage, il est de matière organique, d'atmosphère et de roche, il est chorégraphié par la vie. Et dans ces mouvements, au passage, j'ai fait quelque chose qui me manquait pour comprendre ce que c'est qu'un sol. J'ai fait les trous. Trous liés au déplacement d'une amibe. Trous liés au déplacement... Oui, parce que ça fait des trous quand ça se déplace. Trous déplacement du déplacement d'un rhizobium. Trous d'une racine qui a poussé et qui est morte, en laissant de la matière organique. Trous d'un filament de champignon qui a poussé et qui est mort. Ça, c'est du trou. Pourquoi ? Parce que ce trou est tartiné de matière organique, de mucilage, de gel, de restes de cellules mortes. Comme il est tartiné de ça, il ne s'écroule pas, il se tient. Les particules qui le limitent sont jointoyées par la matière organique. C'est du trou et du trou stable dans lequel je vais pouvoir mettre l'eau et les gaz dont je vous avais parlé. Ça y est, on a fait les sols, on les a touillés et c'est la vie qui les a faits. Maintenant, je voudrais vous montrer qu'au passage, cela donne des propriétés au sol qui s'étendent largement autour de lui et qui notamment vont structurer trois choses absolument énormes dans notre environnement. La première chose, c'est le climat. Alors, vous savez que sur Terre, le climat il est réchauffé par des gaz à effet de serre, et que c'est avant tout une bonne nouvelle, puisqu'on compte qu'il ferait à peu près moins 50 degrés si jamais il n'y a pas d'effet de serre. Bon, pour nous, c'est une bonne chose qu'il y ait un peu d'effet de serre. Après, c'est comme tout, la dose compte beaucoup. Avant l'homme, l'effet de serre il est largement entretenu par les sols, puisqu'on l'a dit, les sols respirent et émettent du CO2, mais ça, c'est les sols où il y a de l'oxygène. Dans les sols où il n'y a pas d'oxygène, vous allez me dire, là, c'est un peu difficile de respirer. Des sols en noyer d'eau, par exemple, des sols de rizière. Alors, ces sols en noyer d'eau, ou très humides, il y a quand même des bactéries qui respirent, et c'est là qu'on voit que dans le sol, il se passe des choses qui ne se passent pas en surface. Elles respirent, mais comme elles ne peuvent pas utiliser l'oxygène, elles utilisent autre chose. Il y a des bactéries qui respirent au CO2. Le CO2 joue le rôle de l'oxygène. C'est moins rentable, hein, c'est pour ça que quand il y a de l'oxygène, c'est ce qu'on utilise en priorité. En tout cas, le bilan, ça donne du méthane. D'autres utilisent du nitrate et ça donne du protoxyde d'azote. Il y a encore d'autres types de bactéries, mais je vous ai cité celle-là parce que pour le coup, méthane et protoxyde d'azote sont des gaz à effet de serre, respectivement 50 et près de 300 fois plus actifs que le CO2. Donc, le sol a de tout temps réchauffé l'atmosphère. Et quand on rajoute par là-dessus l'homme, eh bien en fait, l'homme va appuyer sur le champignon et augmenter la contribution
à l'effet de serre des sols. La première façon, c'est en labourant. En labourant, vous oxygénez le sol, vous aidez à la respiration. D'ailleurs, les sols agricoles sont souvent pâles parce que la matière organique est mieux respirée par l'oxygénation du labour. Et d'ailleurs, on compte qu'entre le défrichement et le labour, l'homme a émis deux fois plus de CO2 depuis qu'il pratique l'agriculture labourée que depuis qu'il émet des combustibles fossiles. Alors évidemment, tout ça, ça ne se passe pas dans la même fourchette de temps. Et puis en plus, cette émission de CO2 liée au défrichement et à la mise en culture retournée des sols, ça se passe dans un temps où le climat devait se refroidir, dans un début d'entrée en glaciation. Et ça a juste stabilisé cette tendance au refroidissement. Et ça a permis cette fameuse période l'Holocène, qui est la plus longue période de stabilité climatique qu'on a depuis 2 millions d'années. Et pour cause, le sol labouré. Maintenant, ça se passe différemment avec le rejet de CO2, on va y revenir. Alors, d'autres façons d'augmenter la production de gaz à effet de serre du sol, c'est l'irrigation. Je vous ai mis l'irrigation la plus irriguée, mais ça commence avec le maïs arrosé, d'accord ? Ça fait des poches d'anoxie. Et puis, quand on met des engrais contenant du nitrate, évidemment, là, c'est quand même pousser au crime les bactéries respirant au nitrate. C'est les encourager à travailler. Engrais, labour, irrigation, tout ça, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, les sols contribuent à l'émission de gaz à effet de serre par l'agriculture. Et quand vous regardez la carte de France de l'émission du protoxyde d'azote, vous voyez bien, 80% du protoxyde d'azote en France est produit dans les sols. Ce n'est pas vraiment un gaz qui s'échappe dans des activités industrielles. Eh bien, vous voyez très bien le bassin parisien, le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, la plaine de Limagne, la plaine de Saône et du Rhône. Et puis, par contre, par ici, là, les sols ils sont plutôt secs. Et donc, ça ne fait pas beaucoup de protoxyde d'azote. Au moment des épisodes Cévenol, il doit y avoir un pic de protoxyde d'azote, mais ce n'est pas vraiment les zones très émettrices parce que là, les sols ne sont pas très humides. C'est paradoxal, parce que ce que je viens de dire illustre le malheur de l'écologie. Quand on s'arrête là, on a l'impression que l'écologie nous explique la somme des catastrophes à venir et présentes. Mais pourtant, si on examine les choses d'un autre point de vue, en fait, elle contient aussi la solution. Ça s'appelle l'agroécologie, ça s'appelle chercher les solutions pour l'agronomie et pour l'homme en général dans l'écologie. Et pour le coup, cette initiative que vous connaissez peut-être, le 4 pour 1000, hein, encapsule un espoir autour des sols. Le 4 pour 1000, c'est un nom qui naît du calcul suivant. Si on augmente chaque année la teneur de tous les sols du monde de zéro en matière organique, qui contient du carbone, hein, si on augmente la teneur en matière organique de tous les sols du monde de 0,4% par an, soit 4 pour 1000, eh bien, en fait, on a compensé les émissions de CO2 de l'homme cette année-là. Entendons-nous, nul ne pense à le faire partout et à aller mettre de la matière organique en Patagonie, vous y êtes. L'idée, c'est juste de montrer les ordres de grandeur. Mais simplement, ça veut dire qu'il y a là un levier intéressant en remettant cette matière organique dans les sols, notamment dans les sols agricoles qui ont été privés par le labour. Alors, quelle matière organique, allez-vous me dire ? Vous voyez que c'est un des points où l'élevage n'est pas l'ennemi de l'agriculture et de l'écologie. On peut effectivement mettre du fumier. Et parmi tous les animaux qui font du fumier en France, il y en a un auquel on ne pense jamais, celui qui fait pratiquement le plus de fumier. Non, pas les poules. Ben oui, exactement, c'est nous. Oui, je vous rappelle qu'on est des animaux. Et alors du fumier, on en fait de plein de façons. On en a dans nos poubelles. On en a aussi quand on tire la chasse d'eau et tout ça part dans les stations d'épuration. Le problème, c'est de s'en débarrasser, tandis que les ordures, elles, partent dans les stations d'incinération. C'est bizarre, hein ? Oui, c'est bizarre et c'est dommage. Et puis, on peut aussi utiliser les sols quand ils ne produisent pas de végétation pour une culture intermédiaire dont le sol sort sera d'être ensuite jonché au sol et d'aller rejoindre la matière organique du sol. Je vous rappelle que les sols de France sont nus une grande partie de l'année. C'est un peu comme si vous aviez un appart à Paris et que vous disiez non, je ne vais pas le louer 12 mois sur 12, je vais le louer 8 mois sur 12 et le laisser vide pendant 4 mois. C'est con, mais c'est historique, pour des raisons qu'on peut défendre et qui se défendaient historiquement. Mais aujourd'hui, ces 4 mois-là, vous n'avez qu'à faire de la matière organique que vous laissez dans le sol après. Et avec tout ça, on peut espérer stocker du carbone. Vous voyez, passage de l'écologie Cassandre à l'écologie solution, c'est exactement ce que ne savent pas faire nos gouvernants. Oui, mais c'est parce que les citoyens votent de travers, hein, parce que les gouvernants sont l'expression des citoyens dans une démocratie. Après le climat, je vais faire le cycle de l'eau.
Le cycle de l'eau, avant qu'il y ait des sols, c'est simple. L'eau, elle ruisselait en faisant des espèces d'ouèdes. Et après la pluie, comme à la marée basse, vous aviez une espèce de ressuyage. Et puis, c'était fini. Parce qu'il n'y avait rien qui retienne l'eau. Aujourd'hui, l'eau, elle tombe sur les sols. Et les sols sont des éponges. Vous savez, il y a plein de trous. Et non seulement il y a plein de trous, mais il y a plein de matière organique qui est très hydrophile, qui a tendance à retenir l'eau, à la retenir par elle-même et par les trous qu'elle stabilise. Oui, là, on voit que le passage sur Mac ne donne pas vraiment le film prévu, mais en tout cas, l'eau qui tombe, elle passe d'abord dans les sols. Et comme elle est retenue là, l'espace de quelques temps, elle cherche la sortie, elle va la trouver. Mais elle peut être prise en charge par les plantes. Aujourd'hui, et ce n'était pas le cas hier, en gros, 60% de l'eau qui tombe au sol repart dans l'air par, 60 à 80%, ça dépend des endroits, par l'évaporation dans les feuilles des plantes qui montent les aliments du sol en évaporant la sève brute. Et ce n'est pas rien la nutrition des plantes et l'alimentation de ce flux d'eau qui passe dans la plante et qui s'évapore. Une forêt d'un hectare, ça consomme 30 tonnes d'eau par jour. Alors maintenant, si on réfléchit, ça fait 3 mm d'eau sur tout l'hectare. Ça fait une pluie de 3 mm. Comme il y a 200 jours de végétation par an, soit qu'on crame l'été, comme c'est le cas ici, soit qu'on se les gèle en hiver, comme c'est le cas dans le nord de la France, il nous reste 200 jours où la sève circule. Même quand les feuilles sont vertes à la période trop chaude en région méditerranéenne ou trop froide dans le nord de la France, la sève ne circule pas. Donc en gros, il me faut 200 jours à 3 mm, ça fait 600 mm. Ben, ça tombe bien, au-dessus de 600 mm, il y a de la forêt, en dessous, il n'y a pas de forêt. Et au-dessus de 600 mm, eh ben, le reste de l'eau passe dans les nappes phréatiques ou dans les rivières. Et d'ailleurs, des nappes phréatiques, des fois, dans les rivières. Bref, ça alimente en continu des rivières qui n'existent pas simplement au moment de la pluie, mais qui sont soutenues lors entre deux pluies, il n'y a pas d'étiage, et qui, par contre, en revanche, ne débordent pas quand il pleut. Alors ça nous raconte, ce ruissellement retardé, qu'il n'y aurait pas les rivières qu'on a et qui sont permanentes sans les sols. C'est ça que c'est dit. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas avant que les sols n'existent sur Terre. Et quand on rebouche les trous et qu'on couvre trop les surfaces, eh bien, on amplifie les effets des pluies diluviennes et des événements catastrophiques. C'est quelque chose qui se passe très souvent dans le sud de la France, c'est qu'on a un petit peu trop artificialisé les sols. Je ne dis pas que c'est la seule cause des inondations. Il y a aussi des causes liées au climat et à son changement. Mais dans cette situation-là, on a vraiment envie d'avoir le maximum de sol offert à la pluie. Le cycle de l'eau, le climat, et puis pour terminer, allons très loin de tout ça, allons dans la mer. Et je vous emmène en Bretagne, dans un endroit qui m'est cher, nous sommes à Belle-Île-en-Mer. C'est ma patrie, donc là c'est la plage nudiste, hein. Là c'est une dame nue. Mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer que l'eau est verte. Elle est verte parce qu'elle est bourrée de plancton. C'est marée haute, mais on devine que les rochers sont garnis de fucus. C'est plein de vie. Il y a une production abondante. Et là, il y a les trous en fait, de pêche à la crevette de ma famille. Alors, je vous les montre sans pas trop précisément, hein, mais disons que par là, derrière ce rocher, un jour, j'ai fait 2 kilos en 10 minutes. 2 kilos de bouquet, hein, du vrai bouquet. Alors, pour les pêcheurs de crevettes, quand même, ça, c'est quand même rare. Mais ça reflète juste que ces endroits sont extrêmement productifs. Et ils le sont ainsi que sont tous les littoraux. Et il y a deux causes à la productivité des littoraux. Il y a certains littoraux, comme en Mauritanie par exemple, ou au Chili, qui sont productifs à cause de remontées d'eau profonde. Oublions. La plupart des autres littoraux, s'ils sont très productifs, c'est... Bah déjà, il faut qu'on comprenne pourquoi au milieu de l'océan, ce n'est pas productif. C'est très simple, c'est parce qu'il n'y a pas de sol. Quand un poisson meurt, quand une bactérie meurt, quand une petite algue meurt, elle sombre, elle arrive au fond de l'océan, et là, par 5-6 000 mètres de fond, elle est décomposée. Le fer, l'azote, le phosphate, tout ce qui est libéré, n'est absolument pas à l'endroit où se trouve la lumière, donc c'est pas recyclé pour faire de la biomasse. Il n'y a pas de sol. En revanche, sur le littoral, arrivent toutes ces eaux qui ont été finalement drainées des sols et qui ont emmené une partie de la fertilité que nous avons fabriquée ensemble dans la première partie de cet exposé. Tout ça, ça finit dans les océans. Et en fait, ce qui fertilise les eaux côtières, ce sont les larmes des sols. C'est des larmes salées, pleines de sels minéraux. C'est ça qui fertilise les côtes et qui explique cette répartition de la production de matière organique en mer, et qui explique aussi les misères des pêcheurs bretons ou européens de toute la façade européenne face au Brexit. Bon, c'est vrai que les Anglais, ils ont compris que c'est pas comme si la Grande-Bretagne était entre l'Irlande et la France.
qu'il y ait une certaine logique à ce qu'il ne soit pas en Europe. Bon. Mais vous comprenez que quand vous êtes pêcheur ici, vous avez plutôt envie de faire 50 km pour aller par là plutôt que de faire 50 km pour aller par là. Vous comprenez aussi pourquoi on a été pêcher la morue en Islande ou à Terre-Neuve. C'est qu'en fait, pour pêcher, et pêcher bien, il faut être près d'une côte à cause des sols. Et oui. Et ça, c'est une conséquence importante, c'est que sur cette image, les sols, ils n'ont pas produit que les tomates et la salade, ou le vin. Ils n'ont pas produit que le gruyère, qui après tout n'est que du sol transformé par un certain nombre d'intermédiaires. Ils ont aussi produit les fruits de mer que vous voyez là. Souvent on dit oui, oh, bah, 90% de l'alimentation de l'homme provient des sols, parce qu'on pense à ce qui en provient directement par l'agriculture. Mais en fait, non. Non. Quand il n'y avait pas de sol, je vais vous dire, il y a 500 millions d'années, les poissons étaient beaucoup plus petits. Hein. Donc tout ça, ça veut dire que les sols, ils existent autour d'eux parce qu'ils influent sur le climat, le cycle de l'eau, la fertilité des océans, et ils nourrissent l'humanité en général, dont ils sont le placenta. Le sol est le placenta de l'humanité. Rendons hommage à ça et agissons-nous d'une façon cohérente avec cette constatation ? Alors la réponse est, ça dépend, mais pas toujours. La liste des problèmes commence par le labour. Vous savez, le labour, hein, ça tue. La preuve que ça tue, c'est que ça désherbe. Vous prenez un organisme qui est un tiers dans le sol, vous labourez, il est mort. Ça veut dire qu'un organisme qui est complètement dans le sol, a priori, statistiquement, il est trois fois plus mort. Ça veut dire qu'il est mort. De fait, les oiseaux qui sont là ne sont pas venus voir... Alors là, c'est pas du, même pas du labour, hein, c'est du travail du sol avant semis, mais ils ne sont pas venus voir la marque du semoir. Hein. Ils sont venus boulotter les animaux du sol qui ont été dénudés. Mais moi, en tant que mycologue, je vous ai avoué que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les champignons. J'ai pas mal aux animaux quand je vois ça. J'ai surtout mal aux champignons parce que je sais qu'ils sont faits de filaments et que ça, quand on dilacère le sol, bah, ils sont écartelés, ils en meurent. D'ailleurs, on sait très bien que les sols labourés contiennent moins d'espèces de champignons. Il y en a qui ne cicatrisent pas. Et puis d'ailleurs, sur un sol labouré, ou même d'ailleurs travaillé en surface, aller me trouver un rond de sorcière, ça n'existe pas. Les ronds de sorcière, c'est dans les prairies, c'est dans les forêts. Il n'y en a pas dans un sol retourné, c'est pas possible. Quand on regarde le nombre de bactéries, là, il y a comme une sorte de bonne nouvelle, mais vous allez voir, elle est glaçante, en fait. C'est qu'il y a l'air d'y avoir plus d'espèces. Ah bah oui, c'est normal. D'abord, j'oxygène, donc il y a des bactéries exigeantes en oxygène qui parviennent à se développer. Et puis, j'ai des champignons qui ont disparu, et éventuellement, ils faisaient concurrence à certaines bactéries qui sont bien contentes de pouvoir finalement s'installer là où leurs compétiteurs ont été enlevés. Alors, vous pourriez me dire, Marc-André, on connaît ton affection pour les champignons, puisque tu viens de l'avouer, mais si on tire un trait en dessous de tout ça, en termes de nombre d'espèces, ben, c'est pas tellement changé. Oui, mais pensez biodiversité fonctionnelle. Et les champignons qui sont filamenteux font bien d'autres choses que les bactéries. Par exemple, ils font les courses pour les plantes. Ils font des mycorhizes, ce que ne font pas les bactéries. Mais ça, c'est important. Ça veut dire que quand on change les espèces, on change la biodiversité fonctionnelle et on perd certaines fonctionnalités. Le labour a aussi pour conséquence, en aérant le sol, de faire perdre la matière organique du sol. Vous voyez très bien ici que les sols du bassin aquitain, forêt landaise exclue, sont pauvres en matière organique. Le bassin parisien aussi, mais on voit très bien la forêt de Chantilly et la forêt de Fontainebleau. Voilà, là et là. Bon, pour la plaine du Rhin, c'est pas très net. On devine la Limagne, la plaine de Saône et du Rhône. Et bien sûr, là, on voit le Languedoc-Roussillon, il n'y a pas de problème, là, pour le coup. La perte de carbone est aussi marquée, la perte de matière organique et donc le déstockage du carbone est prononcé. Il y a des chiffres assez glaçants. Hein. Pour le coup, depuis les années 50, on compte que les sols européens, parce que maintenant on laboure beaucoup et profond, ça ne coûte pas cher l'essence, les sols européens depuis les années 50 ont perdu la moitié de leur matière organique. Je veux dire la moitié de ce qui leur restait en 1950. Le labour, il a aussi des conséquences énormes sur l'érosion. D'abord parce que souvent on ne replante rien après, et donc les sols sont nus, et d'autre part parce que vous avez déstructuré le sol et vous le rendez plus capable d'être entraîné par l'eau ou par le vent. On est habitué à ce que les eaux soient colorées et peu translucides, mais allez en forêt, l'eau n'est pas complètement claire. Bien sûr qu'il y a de l'érosion, mais il n'y en a pas autant. Quand il y a des ruisseaux en forêt, ils n'ont pas du tout la même turbidité que dans les environnements où on laboure. Et ça, cette histoire d'érosion, il y en a une sorte de laboratoire qu'on n'arrive pas à voir comme un laboratoire. Quand vous allez visiter au Liban, en Grèce, en Afrique du Nord, quand vous allez visiter les grandes cités antiques, vous les voyez, superbes,
au milieu d'étendues pierreuses et de sols squelettiques. Et vous vous dites, ah, oui, les sols méditerranéens, c'est quand même des sols pas épais, pas riches. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a installé des grandes villes au milieu d'un endroit où il n'y avait rien à manger ? Non, ces villes ont été installées au milieu de grandes plaines agricoles. Alors, d'accord, il y a aussi eu un changement climatique depuis l'époque romaine, ça c'est clair, hein, les pluies méditerranéennes étaient plutôt estivales, donc ça aidait quand même à la production végétale, mais essentiellement, vous avez là, sous les yeux, les résultats de plusieurs millénaires d'arérage, puis de labour, et il est vrai aussi de surpâturage qui a les mêmes effets de dénuder le sol. Mais ça, c'est le laboratoire. Et en fait, le chiffre à retenir, c'est 10. Un sol érodé, en moyenne, s'érode 10 fois plus vite qu'un sol non labouré. Ça fait que les sols d'Île-de-France, sauf ceux qui ont la chance d'être recouverts par du béton, on va y venir, les sols d'Île-de-France s'érodent aussi vite aujourd'hui que des sols alpins. Comme il y en a quelques mètres à éroder, bah ça ne se voit pas au jour le jour. Mais par contre, ce n'est pas un cadeau pour les générations suivantes. À court terme, nos anciens ne se sont pas trompés sur les vertus du labour. Ça désherbe, ça aère, même si les trous s'effondrent vite et nécessitent de relabourer ensuite parce que c'est des trous pas consolidés par la matière organique. Et puis, ça remonte la fertilité qui est entraînée par la circulation de l'eau vers la profondeur. Donc, à court terme, c'est une très bonne idée. À long terme, en revanche, vous perturbez la vie du sol, vous détruisez la matière organique, avec des effets sur le climat, mais des effets aussi sur la stabilité des sols et la nutrition des microbes, et vous entraînez une érosion accrue. À terme, ce n'est pas une option. Et d'ailleurs, aujourd'hui, se développent des formes d'agriculture sous couvert ou de conservation où on ne laboure pas et où, au contraire, on sème des cultures dites dérobées entre deux cultures. Ces deux parcelles ont absolument le même sol, et simplement ici, il y a 10 ans d'agriculture sous couvert. Et il a plu 4 jours avant. Ici, les trous du labour ont été rebouchés depuis longtemps. L'eau ne s'évacue pas. Ici, le sol est très pâle. Ici, au contraire, c'est un sol qui est foncé, ben oui, parce qu'il y a les apports de toutes ces intercultures, puis il n'y a pas de labour. Et l'eau s'est bien évacuée parce qu'il y a ces trous très stables, même sous la roue du tracteur, en tout cas plus stables que des trous grossiers de labour. Et en plus, regardez, on a l'impression que cette parcelle est plus haute que celle-là. Alors, il y a effectivement 10 cm de différence, mais ce n'est pas en... Ce n'est pas qu'il y a 10 ans d'érosion en moins là. Hein. C'est juste les trous. C'est les trous. C'est qu'il y a plus de trous là. Parce qu'il y a plus de vie. Bon. Passons plus vite sur une autre pratique. L'ensemble des intrants. Alors il y a des intrants comme des pesticides qui ne sont pas toujours bons pour le sol. Et en particulier, je voudrais vous parler 2 secondes du glyphosate, donc qui, je vous rappelle, il est complètement inoffensif pour l'homme, hein, on peut en boire. Mais par contre, pour les vers de terre, ce n'est pas le cas, regardez. Alors déjà, bon, ceux qui sont vivants, ils passent un mauvais quart d'heure, hein, en général, ils crèvent. Mais même les cocons, les groupes 2 dans le sol, passent un mauvais quart d'heure. C'est le cas aussi, alors là, pour le mycologue, c'est encore pire, c'est le cas aussi des spores de champignons mycorhiziens. Les spores de ces champignons qui permettent de faire des associations racines des plantes, et bien vous voyez, quand on a mis du glyphosate, quelle que soit la dose, hein, qu'on prenne une dose, ça sature très vite comme effet, donc qu'on prenne une dose de maraîchage violente ou une dose de grande culture moins violente, c'est la même chose. Oui, donc, alors ça me fait un peu mal de voir ça, parce que c'est vrai que l'agriculture que je vous ai présentée, on ne laboure plus, ben, une des façons de se débarrasser des herbes avant de semer la culture suivante, c'est d'utiliser du glyphosate. On sait que néanmoins la vie du sol augmente parce que le labour est beaucoup plus grave que le glyphosate. Mais que ce soit clair, non seulement je ne suis pas l'ami du glyphosate, mais en plus, je suis bien obligé d'avouer que dans un premier temps, il vaut mieux pas labourer, quitte à utiliser du glyphosate. On pourra en parler, hein. Mais vous comprenez bien que le glyphosate n'est pas une solution dans le long terme. Et puis, pour terminer, il y a les engrais minéraux. Les engrais minéraux nourrissent très bien les plantes, mais du coup, les plantes n'ont plus besoin des champignons. Et de fait, dans les sols où on amène des engrais minéraux et où les plantes peuvent se servir directement sans payer le champignon, on a moins de champignons mycorhiziens. Vous allez me dire, c'est pas grave, puisqu'on met des engrais. Ah oui, mais les champignons mycorhiziens protègent des pathogènes qui, eux, ne sont pas du tout affectés par le fait qu'on met des engrais. Et comme vous avez une diminution de l'effet de protection par les champignons mycorhiziens, certes, la plante mange, mais elle est devenue plus fragile, et vos gestes phytosanitaires seront renforcés. Vous voyez qu'ici, les engrais préparent d'une certaine façon le terrain à un usage accru de pesticides. Et puis le problème des engrais, c'est qu'on en met beaucoup pour que ça marche bien, et il y a des fuites, et ces fuites réalisent le programme que je vous disais, elles retournent à l'eau,
puis aux eaux littorales. Ça vous explique les marées vertes en Bretagne ou les marées brunes dans les Caraïbes, qui malheureusement ne sont pas le fait des Caraïbes elles-mêmes, mais a priori des engrais de l'Amazonie, avec des algues qui reviennent s'échouer sur les Caraïbes. Une fois de plus, l'alternative aux engrais minéraux, c'est de mettre dans le sol de la matière organique, qui en se décomposant va libérer de l'azote et du phosphate, à des rythmes lents, cohérents avec la nécessité d'avoir un recours à des champignons mycorhiziens, et à des rythmes lents qui limitent les fuites vers les eaux continentales et littorales. L'idée, c'est d'aller chercher une solution dans la merde des animaux, et puis peut-être aussi dans la nôtre, que coûteusement nous essayons de disperser dans l'environnement, dans les stations d'épuration. C'est quand même assez aberrant. Et en plus, il y a des obstacles réglementaires terribles. Ils cristallisent dans les stations d'épuration un truc qu'on appelle la struvite, que vous connaissez peut-être. C'est du phosphate d'ammonium, qui a une caractéristique énorme, c'est que quand ça cristallise, ce truc-là, ça ne prend pratiquement pas de métaux lourds en impureté. Ah ben oui, mais ça ne peut pas se vendre parce que c'est un déchet. Donc aujourd'hui, la struvite, ben, on est obligé de l'enlever, hein, parce qu'elle cristallise dans les canalisations, et on la jette. On a un problème, hein, à voir les déchets comme une ressource. Nous qui pourtant passons des minutes entières, des heures entières à respirer des déchets de plantes, de l'oxygène. On a vraiment une vision distordue de ce qu'est un déchet. Alors, les agriculteurs estourbissent les sols selon quand ils pratiquent le labour ou certains types d'intrants, mais ils ne tuent pas les sols. Moi, j'ai jamais vu un sol agricole mort. Là, j'ai jamais vu ça. Par contre, ce que j'ai vu, c'est des sols morts à cause des citadins. L'artificialisation des terres, c'est une tendance galopante qui nous a fait perdre 10% de la surface agricole utile depuis 1970, soit l'équivalent de la surface de PACA. C'est énorme. Et le drame, c'est que comme les villes ont été, je vous l'ai dit, comme partout installées au milieu de grandes plaines fertiles, Paris, Bordeaux, on peut même dire Montpellier d'une certaine façon, même si la fertilité n'est pas à la hauteur des exemples précédents, et quand les villes grandissent, elles grandissent au détriment des plus beaux sols. Ça, c'est en surface, c'est pas en qualité. Hein. On compte qu'on perd un département de sol agricole tous les 7 à 10 ans. Or, pour faire un sol fertile, il faut un bon millénaire. Alors, entendons-nous. Souvent, les gens me disent, mais attends, je mélange du sable, un petit peu de crottin de cheval et des choses comme ça, et je peux faire un très bon sol pour mes plantes. Oui, d'accord. Alors, on pourrait parler de sa durabilité de ce sol. Hein. Il n'est pas forcément en train d'avoir tous les processus avec des réserves, notamment minérales, en dessous qui vont lui permettre de durer. Mais c'est surtout que moi, je veux bien qu'on fasse des sols comme ça, d'un claquement de doigts, pour les pots de fleurs. Mais quand il va falloir faire des centaines d'hectares pour la céréaliculture, là, c'est une autre paire de manches. Hein. Or, les sols qui sont en dessous, là, sont à la fois des sols qui ont été décapés souvent de leur matière organique et qui ensuite ont hérité de pollution par des métaux lourds et de la matière organique. Donc, ces sols sont peu régénérables et on retombe là-dessus. Le sol productif, c'est un sol qui s'hérite et donc on a le devoir moral de transmettre. Vous voyez que tous nos gestes ne sont pas en accord avec la logique vivante que j'ai décrite, mais par contre, on sent poindre des pratiques alternatives qui, elles, sont plus en accord. Et même s'il faut aujourd'hui étudier leur faisabilité pour toutes les cultures et dans tous les bassins de production, en creux, derrière ce catalogue un peu triste, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et il y a surtout l'idée que le sol, c'est un objet merveilleux. Indépendamment de la façon d'utiliser, c'est quand même quelque chose qui a une complexité absolument phénoménale. C'est une cathédrale du vivant. On pourrait presque... Alors, si vous vous êtes emmerdé pendant cette conférence, malheureusement, c'est les coulisses de ce que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé vous enterrer avec moi pendant une heure, c'est que vous aimez vivre en surface. Et sans ce qu'il y avait en dessous, il n'y aurait pas la surface. Il faut bien comprendre que ce que nous voyons, ce n'est que la banlieue du sol. D'ailleurs, il y en a certains qui vivent en partie en banlieue, mais qui vont travailler dans le sol. Il faut le réaliser, et il faut réaliser que bien au-delà de faire ça, il fait le monde tel que nous le connaissons. On pourrait presque dire que le sol est l'origine du monde, si ce n'était pas déjà le titre d'un tableau. Ce serait en tout cas une façon de lui rendre ce qui lui appartient, d'être devenu un composant incontournable du monde qui nous entoure et de la vie que nous menons. Et c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Du coup, merci beaucoup pour cette excellente conférence. On a à la fois la possibilité, pour ceux qui sont en ligne, de poser des questions via un chat. Et donc, on a une représentante du chat à qui on passera régulièrement le micro pour peut-être faire remonter des questions. Et sinon, on peut commencer par des questions de la salle.
Juste une question. Vous avez dit notamment que les sols inondés donc provoquaient le réchauffement climatique par l'émission de gaz à effet de serre plus prononcé que le CO2. Okay. Mais souvent on dit justement qu'il faut protéger les zones humides et notamment les tourbières qui sont des stocks de CO2. Alors donc du coup en fait quel est le phénomène qui fait que en fait ces zones humides sont quand même très utiles et permettent de stocker énormément de carbone? C'est une bonne question, mais en réalité le paradoxe n'est que apparent. Donc en général, quand le sol est humide, l'air rentre, l'oxygène rentre moins, et vous commencez à avoir des phénomènes de méthanogénèse ou de fabrication de protoxyde d'azote. Les tourbières sont des écosystèmes très compliqués, mais qui sont très bien expliqués dans le livre. Ont un mécanisme de fonctionnement acidifiant. Elles sont dominées par des champignons, et la façon dont les champignons empêchent les bactéries de s'installer, c'est d'acidifier le milieu. Vous savez d'ailleurs que l'acidité est protectrice contre les microbes en général, et notamment les bactéries, parce que c'est une des vertus de la fermentation. Quand on fait du saucisson, vous regarderez la notice du saucisson, il est marqué glucose et ferment. Mais c'est plus sucré après, parce que tout est transformé en acide acétique et en acide lactique, et ça, ça protège votre saucisson des indésirables. Tout en même temps que le sel et la déshydratation, certes, mais il y a un rôle bactériostatique de l'acidité. Il y a quelques bactéries acidophiles, mais pour le tout venant, ça ne marche pas. Et donc, dans les tourbières, il n'y a pas de ces bactéries. Quand vous êtes dans une eau acide, ce qui n'est pas le cas quand on est dans un sol agricole, mais quand on est dans une eau acide, on bloque notamment la méthanogénèse. Bien. En plus, ces tourbières, leur maximum d'extension sont dans des zones d'altitude ou dans des zones boréales, où la température limite aussi le fonctionnement microbien, mais ce n'est pas la raison majeure. Et effectivement, les tourbières des zones boréales, c'est des écosystèmes qui représentent 3% de la surface du globe et qui stockent un peu plus de 80% du total de la matière organique stockée par les sols. Donc c'est vraiment des agents de stockage importants. Et puis un peu plus haut encore, il y a les pergélisols, les sols congelés, qui donc ont de la matière organique qui est congelée à l'intérieur et puis qui ensuite piègent le méthane qui remonte des roches sous-jacentes. Donc ces sols-là ont plein de matière organique, plein d'eau, c'est pris en glace, et dessous, ou dedans, en poche, il y a des hydrates de méthane. Quand ces sols-là fondent, c'est une vraie catastrophe, parce que non seulement le méthane retenu s'en va, mais en plus la matière organique qui trempouille dans l'eau de fusion du sol va être une source d'émission de méthane. Ces sols-là ne sont pas spécialement acides, et eux sont un vrai problème. Enfin, leur dégel, c'est un amplificateur du climat, puisqu'on compte que le dégel est là. Et l'émission de CO2 et de méthane par les pergélisols peut augmenter le climat de 4 à 10 degrés. C'est effrayant. Voilà. Alors, vraiment, ils vont pas fondre tout de suite, ni complètement. Et d'ailleurs, il y a aussi un phénomène assez intéressant que j'invite à aller voir sur Internet. C'est vraiment comme des boutons de fièvre, pour le coup. Il y a des moments où les poches de méthane se déstabilisent sous le sol et font péter le sol, et vous vous retrouvez avec un cratère avec des débris tout autour, exactement comme un bouton de fièvre. Et ces cratères un peu inexpliqués, en fait, c'est sans doute la fusion, alors non pas la libération du méthane, non pas celui produit par les bactéries quand le sol fond, mais par la fonte des glaces de méthane qu'il y a sous le sol. Il y a des belles images sur Internet, on en trouve plein en Sibérie. Bonsoir. Je suis juste ici. On vient de voir que le labour avait tendance à diminuer la quantité de champignons dans les sols et à l'inverse augmenter celle de bactéries. Du coup, moi, ça m'amène une question. Pour favoriser ou avoir une bonne activité biologique dans les sols, est-ce qu'il vaut mieux avoir autant de champignons que de bactéries? Ou, enfin, c'est un peu la question du ratio. Qu'est-ce qui est un peu le meilleur d'avoir, quoi? Alors, en fait, bon, comme il y a pas mal de biologistes dans la salle, je vais me lancer une explication qui est un peu complexe, mais qui est vraiment importante. Parce que c'est une des grandes règles du monde microbien. Les champignons, les bactéries, ça n'aime pas trop. Les bactéries, c'est des pilotes de F1. Elles se multiplient à toute vitesse. Mais un pilote de F1 demande, il passe souvent au stand pour prendre de l'essence. Cette stratégie-là, qui fait main basse sur les ressources, n'est possible que si le milieu est riche. Si le milieu est moins riche, soit parce qu'il y a des ressources, mais elles sont difficiles à libérer, soit parce qu'il n'y a pas de ressources, là, dans la dèche, et notamment dans les milieux où il y a tout un tas de toxines, je pense à des aiguilles de pin pleines de résine ou des feuilles d'eucalyptus pleines de phénol, dans les conditions où il y a moins à manger, où il y a des toxines, les champignons réussissent mieux.
Et la première chose qu'ils font pour éviter la concurrence des bactéries, c'est de produire des produits acides. Vous savez peut-être qu'il y a des plantes qui sont créditées d'avoir une litière acide. Si vous prenez le pH des feuilles qui tombent, bah comme les conifères justement, hein, ou le hêtre même, si vous prenez le pH des feuilles qui tombent, c'est le même pH que celui des feuilles d'herbe ou autres. Hein. Si ces litières sont acidifiantes, c'est de nouveau une propriété qu'on attribue à la plante, mais qui est en fait une propriété microbienne, c'est parce qu'elles favorisent le développement de champignons, parce qu'elles sont peu nourrissantes et ou parce qu'elles contiennent des toxines que savent gérer les champignons et pas les bactéries. Donc dans les conditions difficiles, la voiture de F1, on l'oublie, elle calanche, et il y a des espèces de gros paresseux qui s'établissent et qui bouclent le milieu en vomissant de l'acidité. C'est les champignons. Donc, il y a cette tension hein, entre les sols riches et où les plantes poussent bien, et d'ailleurs elles se défendent peu des herbivores, donc elles contiennent peu de toxines, et les sols moins riches, où les plantes poussent moins bien, donc elles défendent plus leurs tissus, elles accumulent plus de toxines, et du coup, bah non seulement ces milieux ne sont pas riches, mais la matière organique dedans est pleine de toxines, et ces milieux-là sont récupérés par des champignons. Voilà. Donc il y a cette tension. Maintenant, quels sont les sols les plus intéressants? Si vous voulez que la matière organique des plantes pousse vite, il faut que le recyclage soit rapide, ce sont les sols à bactéries. Alors la signature de ces sols va plus loin que ça, c'est que les sols à bactéries, comme il y a beaucoup de production de microbes, il peut y avoir des vers de terre, c'est donc les sols à vers de terre, qui ajoutent au fait que, que ça se décompose vite, le fait qu'il y a du brassage qui remonte les choses et qui fait les trous. Vous voyez, on rentre dans une dynamique où le sol, ça va être un sol de compétition, c'est ces sols-là qu'on a défrichés pour mettre l'agriculture. En revanche, dans des sols où il pousse quelques champignons et où il y a donc peu de biomasse de champignons qui est produite, puisque c'est dur de se développer, ben là, il y aura peu ou pas de vers, ce sera peu ou pas brassé, et ça ajoutera ce manque de brassage aux dysfonctionnalités du sol et à son frein, à son ralentissement. Donc vous avez les sols à bactéries et à vers de terre qui sont brassés et vite minéralisés, qui sont des sols souvent neutres ou peu acides, et les sols un peu plus acides, où il y a d'épaisses couches de feuilles en surface qui se décomposent peu, qui sont peu brassées, qui sont moins fertiles. Et si vous goûtez, un temps avec les étudiants du Gnome, on faisait ça, quand on montait à l'Égual, on s'arrêtait pour goûter les feuilles à plein de moments dans la balade, vous verrez que plus il y a de litière par terre, plus dans les plantes qui sont là, alors il ne faut pas goûter n'importe quelle plante, hein, parce que voilà, mais dans celles qu'on a le droit de goûter, plus il y a de tanins. Au goût, ça se sent. Voilà. Donc vous avez deux freins en fait dans ces sols-là. Vous avez un frein acide et un frein tanin qui suramplifie le côté peu nourrissant. Ça répond à votre question. J'ai l'impression qu'il manquait un point par rapport à ce que vous aviez dit, mais non. Voilà. Donc l'agriculture est installée sur des sols qui sont des sols avec une dynamique de matière organique qu'on appelle une dynamique de mule. Les forêts et les landes persistent sur des sols avec des dynamiques de matière organique qu'on appelle des modères et des mores. Et pour terminer ça. J'aimerais dire deux choses. La première, c'est que ces sols de mort et de modère... Alors déjà, les sols de mule, il peut y avoir de la forêt dessus. Mais simplement, on les a défrichés. C'est des forêts qu'on n'a plus trop. C'est des érablais. C'est des frênais. Ça, on n'en a pas beaucoup. Mais c'est pas parce que ces sols sont riches qu'il n'y a pas de forêt. Hein. Ça, c'est secondaire. Et ce qu'on appelle la forêt aujourd'hui, c'est pas toutes les forêts possibles en France. C'est l'endroit où on l'a laissé. Et je voudrais dire que ces sols extrêmement peu productifs, il y a une chose pourquoi on peut les utiliser pour produire des aliments. On ne va pas faire des salades, on ne va pas faire des céréales. Qu'est-ce qu'on va faire? De la vigne éventuellement. Mais enfin, sur les hauteurs de l'Aubrac ou dans les monts d'Arrée, ça ne va pas être génial. Non, de la bête. Ces sols qui minéralisent mal et qui ne sont pas fertiles, il faut lâcher dessus des bestiaux et c'est là qu'il faut faire de l'élevage extensif. Parce que ces sols-là ne sont bons qu'à nourrir des animaux. Voilà où est la viande écologique. Elle n'est pas dans les porcheries de par chez moi. Bonjour, merci pour cette super présentation. J'avais une question, c'est est-ce qu'il y a des limites à trop de matière organique? Est-ce que dans des sols, par exemple, je voyais sur les cartes comme le Jura ou la moyenne montagne, justement, où on a déjà des plus gros stocks de carbone par rapport aux plaines de la Limagne et des grandes plaines céréalières, est-ce que pour eux, là, ça marche, pour ces régions-là, ça marche aussi? Ou est-ce qu'il y a une limite Alors, il n'y a pas de limite supérieure à la matière organique, hein, sauf que rapidement, on va avoir des apports d'azote et de phosphate un peu élevés, on va commencer à avoir des sols eutrophes. Bon, mais disons qu'on va régler la question de deux façons. La première, c'est de dire que dans les sols agricoles labourés, on est loin de la limite, donc le problème ne se pose pas pour l'instant, d'accord? Après, effectivement, dans d'autres sols, ça va peut-être être plus difficile, mais... Et à un moment, ça devient ridicule. Mais
il faut se dire que dans les hêtraies où il y a un matelas de feuilles épaisses, on est sur du 1 pour 1000. Hein. Pardon, on est sur du 1 à 5 pour 1000 en France aujourd'hui, d'augmentation, rien que parce qu'il y a plus de photosynthèse. Donc même des sols qui sont déjà pourris de matière organique, aujourd'hui, à cause du réchauffement climatique, ils sont à plus 1 à plus 5 pour 1000 parce qu'il y a plus de matière organique qui arrive au sol. Donc même eux, on peut leur en remettre. Après, je ne suis pas sûr qu'à un moment, on ne commence pas à sortir de la zone où on peut... Bon. Alors, par contre, il y a des sols où il est urgent d'en remettre, parce que en termes, vous me posez la question des limites, et vous repoussez dans mes limites, parce que je ne peux pas répondre à cette question, en fait, qui est une vision de l'esprit, un peu. Mais là où j'aimerais vous parler de limites, puisqu'on parle de limites, c'est la limite inférieure. Moi, je n'arrête pas de faire Paris-Arras, Paris-Montreuil-sur-Mer, Paris-ceci, Paris-ça. Je n'arrête pas d'être dans ce département-là pour faire des conférences, aussi bien des agriculteurs qu'à des agences de l'eau, parce que là-bas, je ne sais pas si vous savez, mais les sols, ils ont tellement peu de matière organique qu'ils ne tiennent plus. Et quand il pleut, ils partent sur la route, dans le champ du voisin. On est passé en dessous du seuil de cohérence. Et c'est une vraie catastrophe. Oh, c'est très bien, ça me fait des économies. Je pars par le 36 heures, je fais ma conférence, je reviens avec mon écho. Et voilà. Mais quand je vois ça, je suis atterré. Parce que ce que je vois, c'est comment le labour a finalement presque irrémédiablement détruit des sols. Alors, dans ces endroits-là, ils sont très, très partants pour remettre la matière organique. Sauf que, ah oui, merde, ils sont spécialisés dans la patate. Et ils sont tellement spécialisés dans la patate que on a arrêté d'élever des vaches, d'avoir des animaux. Ah, il n'y a pas de matière organique. Aujourd'hui, on est en train de payer très cher dans ces régions-là la spécialisation des régions agricoles et l'espèce d'exclusion géographique qu'on a entre l'élevage et l'agriculture végétale, alors que c'est des choses complémentaires. Quand Sully dit labourage et pâturage sont les mamelles de la France, qui valent mieux que les mines du Pérou, il se plante sur le labourage à long terme, bon, mais à court terme, il ne se plante pas. Et pour le pâturage, et pourquoi est-ce qu'il dit que c'est important qu'il y ait du pâturage en France? Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il disait, le labourage va nous donner des plantes et le pâturage va nous donner de la viande. Mais pas du tout. Si vous consultez les agronomes de l'époque, le pâturage, il est important parce qu'il donne du fumier. Historiquement, on remettait de la matière organique. C'était la seule façon d'amener de l'azote et du phosphate, en fait. Merci pour votre présentation. J'ai un cas un petit peu plus pratique. Je voudrais revenir sur la dernière partie de votre intervention, et notamment sur l'artificialisation des sols. Et par exemple, pour un cas ici à Montpellier, notamment financé par les agences de l'eau, il a été lancé une politique de désimperméabilisation des sols urbains, notamment dans les cours d'école de Montpellier, cours d'école primaire, il y en a eu 3. Seulement, ça entraîne aussi quelque chose qui pourrait être un problème, c'est-à-dire qu'en désimperméabilisant ces sols, on va amener un autre sol, finalement. C'est-à-dire qu'on va faire des transferts en deux terres, pas de sol, mais de terre, qu'on va amener dans un endroit, un sol urbain, pour essayer de le reconstituer. Et ce qu'on peut se dire en vous écoutant, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement d'autres possibilités de recréer un sol sans avoir à faire tous ces transferts, parce qu'on sait qu'il va falloir désartificialiser, mais si on n'a pas les bons outils, peut-être qu'on va avoir aussi certaines fausses bonnes idées. Alors, bon, ce que vous dites là, c'est qu'il n'aurait pas fallu artificialiser. Alors bon, c'est trop tard, mais je vois quand même encore des endroits où on artificialise. Donc, en creux, il y a des endroits où on ferait bien de se dispenser de faire ce qu'on est en train de faire. C'est marrant, parce que l'autre jour, j'ai été invité dans une mairie Alors, c'est un groupement, c'était pas loin de Montpellier, et c'était la ville de... On ne peut pas dire le nom. Et donc, on parlait de ça, et d'artificialisation, et de pas artificialisation, et ils étaient en train de refaire la place de la mairie, ils étaient en train de transformer un truc avec d'énormes vasques de végétalisés, hein, des portions de végétation, ils étaient en train de tout recouvrir. Et il y avait le maire qui disait, oui, c'est vraiment, c'est important, mais en fait, les gens ne réalisent pas. Ils pensent à renaturaliser, à désartificialiser, mais il y a encore un problème sur certains aménagements. Il y a une culture qui n'est pas prise. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Ensuite, le sol qu'on a rajouté dans ces cours, j'espère qu'il vient d'endroits où c'était un sol qui était destiné à être extirpé. Par exemple, cette espèce de vomi de construction que Montpellier est en train de lancer vers la gare de Sud de France. Burk. Bon, c'est terrible. Alors, c'est peut-être pas les sols les plus productifs d'Europe. Ok, mais enfin, quand même, c'est un peu. Je trouve que cette ville que j'ai connue avec un beau dynamisme est devenue cancéreuse. Bon.
Mais le passé est toujours mieux que le présent, c'est peut-être pour ça. L'autre chose que donc voilà, il faut vraiment penser à ça. Et c'est vrai que quand on désimperméabilise un endroit, on peut très bien avoir des sols que pour une bonne raison, on a envie d'enlever d'ailleurs. Par contre, si on va chercher des sols là où ils auraient pu rester en place, c'est une connerie. Bon, et j'en viens maintenant à la loi zéro artificialisation nette. La loi zéro artificialisation nette, c'est la loi ZAN. Vous savez que dans le paquet climat et résilience, il y a un volet ZAN, zéro artificialisation nette, qui dit en 2032, on ne pourra pas artificialiser. Pardon, en 2050, on ne pourra pas artificialiser. Et si jamais on artificialise un endroit, il faudra désartificialiser un autre. Alors, il y a plein de problèmes dans cette loi-là. Mais c'est une loi, on attend les décrets d'application, qui vont sans doute révéler d'autres problèmes. Mais cette loi, 1, elle fait exception des infrastructures d'intérêt national et des plateformes logistiques. Et d'un. Parce que quand même, ça, c'est aujourd'hui, c'est des causes majeures hein, d'artificialisation. Et auprès des villes, donc, dans les parties fertiles. 2, 2050. Moi, ça ne va pas m'emmerder, hein. 2050. Oh, j'espère quand même que je serai encore là, mais il est quand même bien possible que ça ne m'emmerde pas beaucoup. En gros, c'est juste pour casser les couilles de nos enfants. Voilà. Et alors, on a un demi-objectif en 2032. En 2032, on doit avoir réduit de moitié l'artificialisation. Vous avez vu, elle est vraiment galopante. Bon, mais le problème de cette... c'est une loi tardive. Autre problème, déjà, malgré le fait que ce ne soit pas pour demain, il y a des maires qui sont vent debout. Moi, j'ai appris ça, en fait, par la fronde des maires en juin, qui ont fait une espèce de tribune là dans Libération pour dire mais c'est notre développement économique qu'on tue. Bon, ben oui, alors donc si on continue, c'est nos enfants qu'on affame. Ah oui, parce qu'on est en train de s'apercevoir que c'est bien beau hein, d'artificialiser, mais ça veut dire que la nourriture, elle vient d'ailleurs. La surface, je fais un détour par cet aspect-là, hein, l'artificialisation nette, c'est aussi affamer ses enfants. Pourquoi ? Dans un contexte de tension sur la production alimentaire, et surtout dans un contexte où on veut produire plus bio, ou en conservant les sols, donc éventuellement avec un rendement légèrement moindre, il faut plus de surface. Pendant ce temps-là, notre surface agricole utile elle est de 29 millions d'hectares, et nous dépendons, alors ça nourrit des animaux et des hommes, hein, 70% des animaux à 30% des hommes, en France, mais pour nourrir l'homme, on a besoin de 9 autres millions d'hectares à l'étranger, soit le tiers de ce qu'on a à la maison qui est à l'étranger. Et non seulement, si on baisse les rendements, il en faudra plus, mais en plus... À l'étranger, il y a des moments où les gens commencent à se servir eux-mêmes. Bon. Donc il y a un vrai problème là, cette réaction des maires de France, elle est absurde en termes d'autonomie alimentaire, mais elle est logique dans les affres des modèles actuels de développement économique. Et puis la dernière chose qui est dramatique, c'est que cette loi-là, elle est comptable. 1 mètre carré égale 1 mètre carré. Et là, on revient à des choses un peu de l'ordre qualitatif que vous dites. Hein. L'idée, c'est que je peux très bien arracher du béton sur 2 mètres carrés et recouvrir un sol fertile sur 2 mètres carrés. En mètres carrés, ça se tient. Et c'est ce que demande la loi zéro artificialisation nette. Elle ne sanctuarise pas les sols productifs ou les sols qui ont des fonctions écologiques, comme l'absorption des eaux de pluie dans certaines régions ou la purification de l'eau dans des zones de production d'eau minérale. Elle est vraiment... quantitative et pas qualitative. Et ça renvoie à des générations de décideurs qui voient des chiffres et pas des quantités, des qualités ineffables. Quand on a formé des décideurs avec des sciences mathématiques et physiques, et que ça, hein, parce qu'on est tous convaincus, enfin je pense qu'il y a beaucoup de biologistes dans la salle qui savent qu'on ne fait rien sans maths, on ne fait rien sans physique. Mais quand on a que ça, bah, le flou, le propre du vivant, qui est d'être complexe et pas complètement, sans doute déterministe, mais pas complètement élucidable, ben on ne sait pas gérer. Et typiquement, là, on a une loi qui ne gère pas le problème qu'on a, qui a des sols, on s'en fout. Et il y en a d'autres, par contre, ils sont vitaux. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça remue des choses importantes autour de l'actualité à laquelle les citoyens se devront d'être vigilants lors de la mise en place de ces décrets d'application. Ne serait-ce que dans les mairies. Oui, bonjour. Je tenais à rebondir sur ce que vous disiez par rapport au manque de matière organique dans les sols et à la spécialisation du coup de certaines régions qui fait que, par exemple, on n'avait pas de fumier ou voilà. Et une des solutions, souvent, c'est le compost. Par exemple, j'avais entendu des témoignages d'agriculteurs dans la région parisienne sur le compost urbain. Donc je voulais savoir si ça pouvait être une solution ou si les engrais
d'origine animale s'avère être de meilleure qualité? Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Donc, il y a aussi des régions où il y a tellement de déchets animaux qu'on bourre les sols de ces déchets, c'est ce qui se passe en Bretagne, et ça fuit partout. Hein, donc, il y a les zones où il n'y a pas assez de matière organique et les zones où il y en a trop, et où, au passage, ça fait un trop grand apport de phosphate et d'azote. Alors, bon, la question du compostage est une question délicate. Il faut bien comprendre que l'apport de matière organique représente l'apport de deux choses. De la matière organique, qui a des rôles dans le sol, je les reprends, retenir l'eau, stabiliser la structure et notamment les trous qui retiennent l'eau. Elle retient l'eau directement, elle la retient directement en stabilisant les trous, stabiliser le sol face à l'érosion, nourrir des microbes du sol et lutter contre l'effet de serre en stockant du carbone qui va sans doute être respiré à un moment, mais si vous entretenez votre stock, vous avez un stock qui n'est pas dans l'air. Bon. Donc, la matière organique qu'on amène, elle a ce premier rôle d'être une matière organique. Puis elle a un deuxième, c'est que quand elle se dégrade, lentement, elle libère de l'azote et du phosphate, elle est un engrais. Et il faut bien distinguer ces deux fonctions. Quand j'apporte de la matière organique fraîche ou du fumier pas trop avancé, j'ai les deux fonctions. L'intérêt du compost, c'est qu'il diminue de volume, mais pas que en séchant. Il y a plein de microbes dedans. D'ailleurs, on aère pour qu'il y ait une activité microbienne importante. Et il peut même y avoir des lombriques, puisqu'on est sur des substrats riches où se développent des bactéries. Il peut y avoir des lombriques. Tout ce monde-là respire et vous perdez du carbone. C'est avantageux parce que du coup, ça diminue le volume. Et puis, quand vous allez le transporter vers un site d'épandage, bah, vous allez avoir un moindre volume. C'est intéressant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, petit à petit, votre produit se rapproche d'un engrais minéral. Il y a de plus en plus une fraction importante qui a été minéralisée et il y a de moins en moins la fraction organique. Du coup, le compost, et c'est valable aussi pour les résidus de méthanisation, c'est quelque chose où on n'a pas beaucoup, on a perdu une grande partie de la dimension matière organique en tant que telle, et par contre, on a gardé l'azote et le phosphate. Donc c'est vertueux en termes de recyclage d'azote et de phosphate, mais ça contribue moins à régénérer des stocks de matière organique dans les sols. Moi, je fais partie de ceux qui militent pour mettre de la matière organique fraîche sur les sols. Alors on me dit souvent, en région méditerranéenne, ça va être dramatique. Parce que mon idée, c'est des sols vivants où il y a des vers qui font caca en permanence en surface, et au bout de 4 jours, on ne voit plus rien. Alors, évidemment, en zone méditerranéenne, les sols fonctionnent un peu différemment, et là, c'est vrai que les vers, quand même, enterrent un peu moins vite, et c'est peut-être pas tout à fait gérable aussi facilement. Mais mon idée, c'est une matière organique fraîche pour avoir aussi la dimension matière organique. Quand on ne peut pas le faire, évidemment, à ce moment-là, qu'on peut, parce que, par exemple, il faut aller exporter soi-même à la main ses déchets, parce qu'on est en ville, ou bon, ça peut être bien de faire du compost, d'accord. Et puis, il y a une autre raison de faire du compost, c'est quand la matière organique contient des contaminations fécales qui sont susceptibles d'être toxiques, soit pour le bétail, soit pour l'homme. Par exemple, si vous avez des toilettes sèches, il faut d'abord faire un compostage léger pour que l'augmentation en température et la mise en place d'un autre microbiote, d'une autre diversité microbienne, bousille tous les microbes du tube digestif dont vous ne voulez pas les étendre sur vos légumes. Ce que vous feriez si vous mettez ça dans le sol et après vous arrachez votre carotte, ça s'est fait d'ailleurs. Il y a eu une grosse vague d'intoxication avec des pousses végétales allemandes, je crois, bio. C'était l'été 2000. Ouais, ça venait en fait d'une utilisation d'eau sanitaire qui n'avait pas été compostée. Donc le compostage, il est à réserver quand on veut tuer des microbes qui sont présents. Donc typiquement, si on utilise le contenu de nos toilettes, il faudra le composter. Et d'ailleurs, autrefois, il était composté. Quand il y avait des gens qui allaient en ville vider gratuitement les fosses d'aisance, parce qu'ils se payaient en revendant ça aux agriculteurs, il y avait toujours une phase de compostage. Bon, notamment parce que, pour eux, ils avaient remarqué que ça diminuait le volume. Donc, le compostage est à réserver au cas où on n'arrive pas à exporter bien sa matière organique, ou au cas où il faut la traiter. Mais dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est remettre une matière organique fraîche, ou au plus proche de la matière organique fraîche dans les sols. Modulo la région, modulo le type de matière organique, je vous parle en tendance, parce que là, on parle un peu en général, et il y a toujours des cas particuliers qui font exception au discours général. Il y avait une question du chat. Je suis à votre gauche. C'était une petite question du chat qui disait, ça rebondit un peu sur l'artificialisation des sols et le fait justement d'enlever la couche de béton ou quoi que ce soit. Et il demandait, c'était quoi les processus de revitalisation qui sont possibles pour ces sols qui sont artificiels et qui retournent à la nature. Quand vous retirez votre croûte artificielle, vous découvrez un sol auquel il a pu arriver des choses différentes. Soit il a été emmuré avec sa matière organique, bon, ok,
donc vous pouvez peut-être en ramener un peu, mais vous pouvez repartir là-dessus. Soit il a été décapé, arasé avant. En fait, c'est un sol, mais c'est surtout la partie inférieure du sol. À ce moment-là, il va falloir ramener beaucoup de matière organique pour relancer la dynamique. Okay. Mais surtout, ce que vous allez souvent découvrir, c'est que ce sol, il a subi des pollutions par des hydrocarbures ou des métaux lourds. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de voir s'il ne faut pas le dépolluer. Et ça, c'est à la fois coûteux, et en fait, les sols qu'on dépollue, ben, on les dépollue pour les rendre pas trop toxiques par leur poussière, mais très souvent, on n'arrive pas à en faire des sols de production. Hein? Donc voilà, la réponse dépend en fait du type de sol. En oubliant les petites misères du type hydrocarbures, notamment hydrocarbures aromatiques et métaux lourds, si on n'a pas ça, la question, c'est qu'est-ce qu'il lui reste de matière organique ? Mais vous n'allez pas en refaire une voiture de course, okay, vous allez en faire un sol urbain décoratif, mais le problème, c'est que bon, ce ne sera pas forcément un sol potager. Alors, vous pouvez forcer la dose, mettre beaucoup de matière organique, c'est vrai, mais le problème, c'est que rapidement, en fait, si on commence à vouloir de la matière organique pour faire plein de choses, eh ben, on va en manquer. Voilà. Surtout qu'en plus, quelque part, il y a une musique qui nous dit que l'élevage intensif, ce n'est pas génial, qu'il vaut mieux pratiquer de l'élevage extensif et manger moins de viande. Je vous rappelle les chiffres, hein, 20 kilos. 15-20 kg par personne et par an, nous dit l'OMS, et nous, on est près de 100 kg. 120 aux États-Unis, et nous, on est plutôt vers 95. Alors, OK, ça fait trop de viande, c'est-à-dire qu'on est dans la zone de toxicité de la viande, et qu'effectivement, bah, en termes d'incidents cardiovasculaires ou de certains cancers du tube digestif, aujourd'hui, la viande est toxique. Donc, il faut qu'on réduise notre consommation de viande. Ça tombe bien parce que bah, il faut penser plutôt à utiliser les sols que nous évoquions tout à l'heure pour faire du pâturage extensif et donc diminuer ce chiffre. Ce poids énorme des surfaces agricoles qui servent à nourrir les animaux, ça libérera de la surface agricole pour nourrir les hommes. 71% des terres d'Europe nourrissent des animaux, 33% des terres globales. Il y a un très bon article de Dufumier dans le dernier numéro de Pour la Science, là, je l'ai lu en venant. Ça, c'est des gens bien. Moi, j'ai une admiration sans borne pour cet homme-là. Il est très bon, son papier, et il explique plein de choses, enfin... Si vous n'avez pas envie de lire un gros livre de 350 pages qui s'appellerait L'origine du monde, ce qu'il faut lire, c'est ça, là. C'est vraiment trop bien. Et donc je découvre dans cet article le chiffre pour la... Vous voyez, c'est suivi d'une interview de lui et d'un démographe du muséum. C'est la tête de Marc. C'est vraiment bien, donc c'est dans le numéro de novembre, là, page 40. Donc tout ça pour dire que je découvre là qu'au niveau global, hein, c'est comme 33% de la surface agricole qui sert à nourrir les animaux. C'est encore pas optimal. Hein. Bon, et puis 71% en Europe, c'est affolant. Donc si on revient à des productions animales décentes, la matière organique va manquer et on aura vraiment besoin d'aller la chercher jusque dans les chiottes, comme disait l'autre. Hein. Voilà, j'espère que ça répond à la question de l'internaute. C'est important, ça, hein, cette idée que dans la cuvette des toilettes, il y a un gaspillage d'azote et de phosphate terrible. Bonsoir. J'étais étudiante de Paris-Saclay, donc très contente de vous revoir à Montpellier. Et j'ai suivi votre page Facebook il y a longtemps. Et j'aimerais savoir comment vous arrivez à balancer les travaux de scientifiques et les activités de vulgarisation. Ah, c'est simple, il suffit de vieillir. Et vous verrez, c'est très facile, ça. Non, il est vrai que c'est absolument incompatible. Et c'est un constat que l'on faisait aux journées prospectives de l'INE, donc l'Institut du CNRS dont je dépends. Puisque je vous conseille scientifique de l'INE, j'avais organisé la session sur la vulgarisation. La vulgarisation et la diffusion de l'information scientifique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, même si les commissions se piquent de toujours faire attention à la vulgarisation que font les scientifiques, c'est pas forcément... C'est un peu pour départager les ex-échos, on va dire. Et aujourd'hui, et c'est vrai que c'est très difficile d'évaluer la qualité d'une vulgarisation, hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas très bien payé. Et en début de carrière, je n'encourage pas à faire trop de vulgarisation. Par contre, il y a un moment dans la carrière où non seulement on a la chance d'avoir une équipe qui devient plus compétente que soi-même, mais en plus, bon, bah, il y a un moment où la barrière des échelons ressemble fort à un plafond de verre, et donc on n'a pas beaucoup d'espoir d'avancement. Et à ce moment-là, de toute façon, quand c'est joué, quand on atteint cet âge-là, quand si on a la chance d'atteindre cette situation et cet âge-là,
Je pense qu'un devoir est de commencer à passer du temps à faire la vulgarisation. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, mon activité scientifique consiste seulement à écrire quelques projets de recherche et à corriger des articles. Je corrige un article par semaine. Et bon, j'ai un thésard et plusieurs post-docs, donc j'ai des interactions humaines aussi avec les gens. Hein, mais je veux dire, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui fais la recherche et ce n'est pas faisable de mener un régime intense de vulgarisation. Et or, ce régime intense, il est nécessaire parce qu'on a besoin d'être connu pour être invité. On a besoin, dans ce pays et dans cette époque électronique, on a besoin d'écrire un livre pour être invité. Et puis 2 ans après, ben, on vous invite moins parce que le livre est vieux. Donc on a besoin, effectivement, pour donner de la voix en vulgarisation. Et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je pense que je ne suis pas très, très, très visible. Je suis visible de mes amis et des gens qui pensent comme moi. Donc je n'ai pas encore réussi à être Hubert Reeves. Puisque même des gens qui ne sont pas ses amis peuvent l'écouter. Ce que je veux dire par là, c'est que ça demande énormément de temps et d'énergie. Et je pense, moi, qu'il faudrait vraiment que nos institutions de recherche fassent un effort pour réellement armer ceux de leurs scientifiques qui ont envie de le faire et qui le font bien. Il ne s'agit pas d'armer n'importe qui a envie de s'échapper du labo. Hein. Les armer réellement et d'un secrétariat. Je m'excuse de parler de ça, c'est un peu personnel. Vous réalisez que je passe 4 heures par jour à répondre à mes mails. Oui, parce que quand vous commencez à être visible, bah, il faut ouvrir tous les mails, et vous n'avez toujours pas de secrétariat, il faut ouvrir tous les mails pour savoir où vous allez aller. Alors, des fois, heureusement, on a 4 heures de train dans la journée. Mais c'est pas toujours le cas. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça demande non seulement effectivement que les institutions aident les gens à dégager ça comme un point positif de leur action, mais ça demande de l'aide. Ça demande une aide logistique, comme la recherche demande des secrétariats et des comptables, mais elle n'existe pas, cette aide. C'est tout à la main, à la sueur de main. Voilà. Et clairement, c'est au détriment de la recherche, quand ça commence à devenir une activité importante, c'est évident. À un détail près, c'est que quand vous commencez à être lisible, les gens viennent vous voir avec de l'argent qu'ils ont envie de vous donner. Et donc, comme vous ne faites plus de recherche, ça sert au moins à votre équipe. Mais comme voilà. Et moi, ma situation, elle est paradoxale, c'est que je n'ai jamais eu autant d'argent pour faire de la recherche. Jamais autant. Je commence à refuser des choses parce que je ne peux pas administrer ça en plus. Okay. À un moment où, effectivement, pour moi, la recherche fait partie du passé, c'est évident. Mais l'avenir, il est plus intéressant dans la société. J'avais une question sur le point que vous évoquiez juste avant, sur le compostage des excréments humains. Il y a quelques exemples. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, parce que peut-être certains sont choqués par des choses que j'ai dit ou des attitudes que j'ai prises. N'hésitez pas, allez-y. En fait, il y a quelques cas qui commencent à être visibles de compostage et recyclage, enfin retour au sol des urines humaines. Par contre, je n'ai jamais vu passer de recyclage et compostage des selles humaine, est-ce que ça existe en France ça a l'air d'être un levier assez important. Je ne sais pas à quelle échelle ça existe, mais il y a un bouquin assez. Alors en Asie, oui. Alors oui, non, mais alors ça, c'est oui, c'est vrai. C'est bien de le noter. Oui, en Asie, oui. Oui, je l'ai vu faire moi. Je vous décris les chiottes chinoises rurales. Peut-être certains ont déjà connu ça. Moi, ma femme, ça lui a laissé un souvenir absolument. Donc, il y a une dalle surélevée, donc on se met comme ça, les fesses donc derrière la dalle, il y a la partie des hommes, un muret, la partie des femmes, et tout le monde parle. Donc déjà, bon, c'est pas toujours facile de décontracter ses sphincters dans cette situation, mais donc on y va quand il n'y a personne. Et donc, derrière la dalle où on met les pieds, il y a un plan incliné, un mur qui est ouvert par en dessous. Les crottes tombent là, c'est en plein air, hein, donc ça s'accumule. Quand il pleut, ça descend par les trous sous le mur, derrière le mur, et ça arrive dans une espèce de grande rigole avec une trappe. Et quand c'est bien plein, ben, on met une tonne ou un seau en dessous, et on ouvre la trappe, et ça part dans les champs. Et il n'y a pas de toilette à la maison. Parce que justement, le but, c'est que ça aille dans cette espèce de rigole en plein air. Voilà. Alors, c'est bientôt l'heure de manger, mais donc je voudrais maintenant répondre aux toilettes sèches, mais vous aurez peut-être une réponse à donner. Il y a un excellent livre sur la mise en pratique de la matière organique dans les sols et dans les pratiques au moins de jardinage. C'est le livre de Denis Pépin, je ne sais même plus comment il s'appelle, j'écris la préface, mais je ne sais même plus comment ça s'appelle. Mais ce livre, il est excellent, et il y a tout un chapitre où il a d'ailleurs à cet endroit-là un très beau passage de Zola, le passage sur la mère caca, alors bon, c'est un peu scato, mais...
dont je vous recommande la lecture. Et il traite justement de cette question, que faire avec les produits de toilettes sèches? Et donc, moi, je lui dis, mais bon, alors c'est bien, ça, là, tu dis, justement, il parle d'un léger compostage, parce que c'est le cas, on ne peut pas mettre ça directement. Il parle aussi de la proportion de sûre à ne pas dépasser pour ne pas avoir des fins d'azote. Enfin, c'est assez intéressant, hein, son topo. Je lui dis, mais bon, et alors, il y a des gens qui font ça. Et il me dit, oui, c'est un des chapitres que j'ai rajouté dans la dernière édition, parce que justement, les gens me posaient la question, ils le faisaient, et puis ils avaient des problèmes de fins d'azote, et puis ils n'étaient pas très sûrs que ce soit une bonne idée. Donc, à petite échelle, c'est pratiqué. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, vous aviez l'air de. Rajouter une petite précision, il y a quelques années, j'avais rencontré un agriculteur qui faisait la culture bio, près de Montpellier d'ailleurs, à Montferrier, et qui nous avait dit qu'il était interdit d'utiliser les crottes humaines parce qu'elles n'étaient pas bio. Pourquoi ? À cause des médicaments. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Bon, là, les utilisations dont on parle, c'est plutôt les utilisations à usage familial. Voilà. Donc, il est vrai qu'effectivement, nos excréments, mais et aussi notre urine, sont pleins de molécules issues des médicaments. Mais en fait, on nous dit souvent, oui, les médicaments. Mais en réalité, les amis, il y a du résidu de pesticides aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a des conservateurs. C'est aussi des trucs qu'on mange et qu'on achète. Hein. Bon. Je veux dire, c'est pas que des médicaments. Et il vaut mieux mettre ça dans les sols que les mettre dans l'eau. Si vous mettez des molécules dans une station d'épuration, la probabilité qu'elles rencontrent le microbe qui est capable de les bouffer est subnulle. Dans les sols, vous travaillez en phase plutôt sèche ou pas très humide. La probabilité de rencontre sera plus grande. Et donc, moi, je préfère mettre ces molécules-là dans les sols que les mettre dans l'eau. Parce que là, elles ont une plus grande durée de vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on se heurte ici. Je parlais de la struvite tout à l'heure. Hein. On se heurte ici à un problème de réglementation. La question, c'est qu'est-ce qui est acceptable ou pas? Et là, on aurait peut-être besoin d'études pour savoir si, en moyenne, le caca contient trop de molécules indésirables. Je pense que le problème, d'ailleurs, sera plus au niveau de l'urine, d'accord, qui doit être sans doute reconcentré dans ces molécules-là. Mais il y a une vraie question derrière. Et qui peut faire que ce ne sera pas bio. Bon, mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'utiliser, puisque je vous rappelle que la surface agricole utile en bio est de l'ordre de 10 à 12% en France. Donc ça nous fait quand même une grande surface usatoire. On pourrait mettre notre merde sans être inquiété. Une dernière chose par rapport à tout ça, c'est un mot sur le bio. Vous voyez que le cahier des charges du bio, il associe bien, c'est qu'il n'utilise pas les engrais minéraux, donc il y a recours à des engrais organiques. Ça, on aime bien, puisque ça amène de la matière organique. Par contre, le labour est autorisé. Et le non-labour qui souvent, alors pas en maraîchage parce que vous pouvez défricher à la main, mais dès que les surfaces sont grandes, le non-labour s'accompagne de glyphosate, est interdit. Et aujourd'hui, on a une espèce de querelle de clochers qu'il va falloir arriver à résoudre entre le bio qui ne veut pas entendre parler du non-labour à grande échelle parce qu'il faut du glyphosate et l'agriculture de conservation ou sur sol non labouré qui ne veulent pas entendre parler du bio parce que là, on laboure. Puisqu'on n'a pas le droit aux herbicides. Et là, il y a quelque chose qu'il va falloir arriver à réconcilier. Il y a des colloques aujourd'hui d'agriculture biologique de conservation. Ça, c'est joli, ça fait ABC. Hein, il y a des colloques d'ABC, mais quand on étudie bien la chose, en fait, on se retrouve avec des success stories, des gens sur qui ça a marché. Ils ont fait ça, et après, les courgettes étaient tellement grosses qu'il fallait être 5 pour les sortir de la parcelle. OK. Mais en fait, c'est là que tous les films qui tournent sur Internet et toutes ces success stories ne servent à rien. Notre question, c'est où est-ce que ça n'a pas marché? Personne ne tourne une vidéo pour dire « j'ai bouffé la grenouille, ma femme s'est barrée, mes enfants ne m'adressent plus la parole ». Bon, ok, les échecs ne sont pas rapportés. On a vraiment besoin d'une recherche qui détermine l'enveloppe de faisabilité. Et pour l'instant, moi, mon sentiment en ABC, c'est qu'on est surtout sur des petites surfaces et qu'on n'a pas encore la capacité de faire ça en très grande nombre. À très grande échelle. Attention, hein, pour l'instant. Un peu comme si on en causait en 1530 et qu'on se disait que l'homme ne volera jamais. Pour l'instant. J'avais une question concernant les producteurs de semences qui proposent aujourd'hui, notamment pour les légumineuses, des semences enrobées avec du rhizobium. Donc c'est un apport exogène et artificiel qu'on fait à la culture. Et je voulais savoir si du coup, qu'est-ce que vous pensez de cela, et notamment en fait de la capacité qu'on a aujourd'hui à réactiver et régénérer un sol avec ces apports qui peuvent être proposés par notamment des industriels. Je pense que vous avez mentionné celui des apports qui est le moins aberrant, c'est l'apport de rhizobium en pelliculage des graines, qui dans le cas du soja
est nécessaire puisque le rhizobium du soja ne survit pas très bien aux hivers. Bon, en tout cas aux hivers du nord de la France, parce qu'ici, je pense que c'est moins gênant. Donc, ça a été très développé pour le soja. Et à ma connaissance, dites-moi non, surtout pour le soja. Hein, Aujourd'hui, pour les légumineuses notamment. Mais d'autres encore ? Pardon ? D'autres que le soja ? Les légumineuses dans les lentilles, oui. Les lentilles et les pois chiches, on le propose maintenant. Ah, mais parce que moi, je travaillais pour la lentille verte du puits à un moment, et c'est pas pelliculé là-bas. Hein. Ouais, alors. Bon, enfin, il faudrait vous regarder l'inventaire exact. De toute façon, il y a les espèces dont les rhizobiums risquent de ne pas être dans le sol, et là, il y a un avantage à le faire. Parce que c'est très spécifique, ces histoires-là. Quand vous avez une espèce de légumineuse, vous savez quels rhizobiums vont dessus ou pas. D'accord ? Donc, ça peut être utile, et de fait, pour le soja, en tout cas, c'est devenu routinier. Bien. Maintenant, qu'en est-il pour les... Et puis, pour le soja, c'est une bactérie introduite, mais le soja aussi, alors bon, qui se ressemble, ça semble. Hein. Mais, maintenant, qu'en est-il pour les champignons mycorhiziens ? Vous avez dans le commerce plein d'inoculums de champignons mycorhiziens. Et ces inoculums-là, ça ne marche pas. Disons-le, ça ne peut pas marcher, théoriquement, et en fait, pratiquement, à part les gens qui en mettent en pensant que ça va marcher et qui trouvent que ça marche... Quand on regarde les chiffres, ça peut marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher. Il y a trois raisons, au moins, à ça. La première, ici, ce n'est pas spécifique. Les champignons qui font des mycorhizes, ils peuvent faire des mycorhizes sur plusieurs plantes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aider la plante. Dans un petit tiers des cas, quand vous forcez l'association entre un champignon et une plante, ça réduit la croissance de la plante parce que le champignon se gave et n'amène rien. Donc, ce n'est pas grave. Dans le sol, en fait, la plante, elle s'associe à plein de champignons et elle ne fait persister le fonctionnement de la mycorhize qu'avec ceux qui lui ramène quelque chose. Et les champignons, ils font pareil. Hein. Ils essaient avec toutes les plantes et ils ne continuent à échanger qu'avec celles avec qui ça marche. Vous voyez que ça repose sur le choix et donc sur une biodiversité dans le sol. Donc du coup, quand vous amenez une ou un petit mélange, ça peut pas marcher pour les fraisiers, pour les tomates, pour la vigne, pour les céréales, pour les légumineuses, etc. etc. C'est pas possible. Deuxièmement, ces souches, et vous l'aviez mentionné, sont souvent exotiques. C'est souvent un truc isolé en Inde ou au Canada. Ça n'a rien à foutre ici. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est complètement illégal. On n'a pas le droit d'introduire et de vendre dans, des trucs qu'on va le mettre dans les écosystèmes et qui sont d'origine exotique. Il y a des autorisations de mise sur le marché pour ça. Ces produits sont tout simplement des produits qui ne sont pas dans la légalité. D'accord ? Ah oui, mais comme c'est des microbes, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Puis c'est le sol, alors le sol, bon. Donc, il y a le risque d'introduire des trucs qui vont faire des bêtises et qui, pour le moins, ne seront pas parfaitement adaptés aux fluctuations rares du climat ou des écosystèmes. L'autre problème, c'est que de toute façon, on travaille sur des fertilités élevées. Ça n'est utile d'avoir ces champignons-là que si les fertilités baissent légèrement, type la fertilité relâchée par de la matière organique qui se minéralise, mais c'est incompatible avec la pratique d'engrais minéraux, il faut le rappeler. Ensuite, on a des variétés que l'on plante qui ne sont plus sélectionnées pour fonctionner avec un champignon, mais je pense aux variétés élites, sélectionnées pour fonctionner dans le cadre de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire avec des intrants minéraux. Alors, quand on regarde dans le détail, beaucoup ont conservé la capacité de dialoguer avec les champignons. Mais au moins un travail, mais malheureusement non publié, mais que je connais, où on s'aperçoit que l'un des gènes de la mycorhization est pété dans au moins une accession de blé très utilisée en Europe. Bon, donc ça veut dire qu'il va falloir aussi avoir le matériel végétal retrouvé dans les dimensions de sélection. Moi, je crois beaucoup à la sélection variétale. Hein, retrouver la dimension mycorhizienne. Et maintenant, je vais vous dire, si vous avez envie, vous, d'entretenir vos champignons, il faut regarder leur logique. Ils ne supportent pas le labour, vous ne pouvez pas labourer. Deuxièmement, ils sont nourris par les plantes. Il faut toujours qu'il y ait des plantes. Il faut des intercultures, les fameuses cultures dérobées ou cultures intermédiaires qu'on sème entre deux récoltes pour qu'il y ait des gens qui continuent à nourrir leurs autres champignons entre deux saisons. Bon, voilà, c'est bon, là. Il faut déjà faire ça. Et puis après, si vous avez vraiment envie de booster, il y a des boîtes, alors je ne vais pas citer de nom, mais il y a deux boîtes, dont une à Montpellier, qui proposent de venir chez vous, amplifier votre diversité locale et vous la ramener. Et donc là, c'est du local, il n'y a plus de problème. Et en plus, c'est du one shot, hein, c'est-à-dire que vous le faites une fois, puis après, vous avez des conduites qui entretiennent la chose. Donc vous rompez aussi avec cette habitude de payer des intrants tout le temps. Mais acheter le tout venant dans le commerce, pardon, mais là, il y a des gens qui ont fait du commerce, je parle des mycorhiziens, hein, qui ont fait du commerce, je pourrais parler aussi d'ailleurs d'un certain nombre d'organismes, des EM, hein, les environmental microbes, ou des bactéries qui améliorent la croissance des plantes. Il y a des gens qui ont fait du commerce, peut-être un peu vite, avant de penser au bien-être financier de l'agriculteur, d'une part, et à l'optimisation du processus en termes de mode d'emploi. Je ne dis pas qu'il est fait de mauvaise foi, hein, mais...
Par contre, le pelliculage, bah là, c'est spécifique et c'est plutôt une bonne idée pour les légumineuses. Merci pour toutes ces informations. Je sais pas si je peux... J'avais une question. Vous avez parlé de la loi zéro artificialisation nette. La loi ZAN. Exactement. Est-ce qu'en tant que chercheur, vous pouvez faire du conseil auprès de politiques sur ces questions, par hasard ? Bah, c'est compliqué. Oui, toutes les fois qu'on est invité. Mais je vous invite à examiner de très près ce qui se passe en ce moment avec Agnès Buzyn. Ce qu'elle vous dit, c'est que le problème, ce n'est pas de mettre la compétence à côté du politique. C'est que le politique, à un moment, est tellement loin de la pertinence biologique et écologique, et je vais revenir sur le pourquoi, c'est qu'il n'a même pas envie d'écouter ou il ne réalise pas qu'il faut écouter le conseiller qui se présente. Donc, finalement, je me retrouve, moi, à prêcher les convaincus. J'ai des maires dont le parvis de la mairie a été en veille de terre parce que les champs voisins ont fondu, littéralement, lors de la pluie. Alors, eux, ils ont envie d'écouter. Mais quand je vois ce qui est devenu le 4 pour 1000 qui avait été lancé par Stéphane Le Foll, comment il a survécu au changement de majorité, il a survécu, hein, il n'a pas été enterré, ce n'est pas du tout ça le truc, mais il est quand même servi avec beaucoup moins de vigilance et de célérité. Donc on a un vrai problème, et en fait je pense que le problème global, c'est que aussi bien nos décideurs que les gens qui achètent n'ont pas une formation aux choses du vivant qui est suffisante. Il n'y en a pas dans les programmes du primaire. Il y en a une heure, c'est-à-dire deux fois moins que de la physique, au collège et au lycée. Enfin, au collège et au lycée jusqu'en seconde. Et il n'y en a plus dans le tronc commun ensuite. On vit aujourd'hui avec une formation misérable qui fait que, en fait, les gens ne peuvent même pas réaliser les signaux d'alerte. Et encore moins que dans ces disciplines, et j'avais insisté là-dessus dans mon exposé, il y a des outils à prendre en main. Et donc, le problème, c'est de toute urgence de revoir la façon dont on forme les plus jeunes pour faire une génération qui soit plus à même de comprendre les enjeux du vivant et de l'écologie. Je préside une fédération qui regroupe des académies, des sociétés scientifiques, des sociétés de journalistes, des associations d'entreprises. Ça s'écrit B-I-O-G-E-E, Biogé. C'est un terme emprunté à Michel Serres. Et on se bat pour que non seulement ces objets soient plus enseignés et plus remis dans les mains des décideurs, mais aussi pour qu'ils le soient en interdisciplinarité. Parce que ça, c'est l'autre problème. Les sciences du vivant n'appartiennent absolument pas exclusivement aux sciences du vivant, en fait. Les objets appartiennent à la géographie aussi, ils appartiennent aux sciences économiques, aux sciences sociales, et on a vraiment besoin de convoquer une interdisciplinarité autour de ces sciences, qui sera une façon d'appeler vers elles ou de susciter une demande de compétences de la part des gens qui ne sont pas formés par ces sciences, par les sciences du vivant et de la Terre, mais qui sont formés comme sociologues, comme économistes. Ça peut permettre d'étendre leur champ de vigilance à ces objets, si dès le début ils ont été formés à ces objets, et notamment par le truchement des disciplines qui les intéressent. Aujourd'hui, nous nions beaucoup trop notre substrat vivant et nos liens écologiques. Je suis désolée, du coup, on aimerait t'écouter pendant des heures, mais maintenant tu vas nous faire une génération de petits agros en plus, là, comme ça. Donc je vous remercie à tous d'être venus. Je rappelle que... Si vous bifurquez, s'il y a des agros, bifurquez dans la bonne direction. Oui, mais il n'y a plus que la bonne direction, non, à peu près. Bon, enfin, ça dépend. Il y en a qu'on sait ne plus devoir explorer. Ouais, tu ne nous as pas parlé de truffes, mais ce sera une autre histoire. Quand même. Ouais. Et dans deux ans, on t'invitera pour parler de truffes. Et donc, du coup, je vous remercie. Il y a une séance de dédicace, je rappelle, en bas. Et on jouerait encore qu'on t'applaudisse pour... Je rappelle que la vidéo sera en ligne, notamment sur le site de la chaire. On va voir si tu réussis à battre Pablo Servigne, hein, qui était notre meilleur... je mets la barre, hein, déjà, mais j'espère bien. Hein. J'ai toute ma famille pour qu'ils cliquent à fond. Ouais. Et du coup, bah, merci beaucoup et rentrez bien chez vous.
Ciao.